Le bonjour et bienvenue dans le podcast. Ah, mais je vous avais pas me suivre. 2047. On est le combien? Le 16. Non. 14. 14. Oui, on est le 14. Évidemment, vous verrez ça le 25. Oui, le podcast, l'émission qui t'accompagne, qui t'accompagne au travail, qui t'accompagne en voiture et qui t'accompagne à ton lit. En quarantaine. Actuellement, en quarantaine. Vous sentirez moins seul en quarantaine. Et oui, du coup, à nous qu'on enregistre, évidemment, on est le 14. Cette fois, on a fait ça l'après-midi, pas le soir. Oui, c'est vrai. Et voilà, du coup, avant de commenter, évidemment, on pense à tous ceux qui travaillent dans le milieu médical ou tous les métiers qui touchent le corona, tous ceux qui sont en quarantaine, ceux qui sont morts. Qui touchent le corona. Il y a des métiers qui touchent le corona. Non, tu as compris, voilà, qui sont impactés. Qui sont impactés par le corona. Oui. Est-ce que tu enregistres déjà? Oui, c'est bon. C'est pas, j'ai pas oublié, c'est bon. J'ai vérifié, j'ai bien fait le truc bien. Du coup, évidemment, je suis avec l'équipe titulaire. Déjà le. Les titus. Mais c'est qui le capitaine? Il n'y a pas de capitaine. Ah, on est tous égaux. C'est moi. Et on commence, comme d'hab, le maître des avocats, monsieur Thomas. Bonjour. Bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde. Bonjour les abonnés de Killer Gaming. On sait que vous êtes nombreux. D'autant plus maintenant avec le coronavirus, on espère que les chiffres vont monter. À part ça, pas mal le premier. Pour un truc qui est aussi long, qui fait 2 heures, il a quand même fait une trentaine de vues. Quoi. C'est... Il y a ma maman, je pense. 28 fois. Nous avons l'animateur pour enfants. C'est ma vanne, celle-là. Elle était bien. Tu dénigres mon métier. Voilà, qui va bientôt rester chez lui aussi, car il ne veut pas travailler avec les enfants. Pour d'autres raisons que le corona, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, on est ouvert encore. Hein. Et nous avons l'homme qui a retéléchargé Call of Duty pour jouer à Warzone. Et franchement, il est super sympa. J'ai pas fait encore, il faut que je... Il est sympa. Et du coup, l'équipe titulaire, évidemment, de nouveau, on sera là, de nouveau pour 2 heures, je pense. Ouais. Enfin, j'espère que le son sera un peu moins dégueulasse. J'ai réécouté, et d'ailleurs, force à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout, il y en a qui ont fait jusqu'au bout. Voilà. D'ailleurs, si jamais, petite anecdote. La vidéo était depuis la rentrée août, c'est la 3ème vidéo de la chaîne. Waouh! Wow. Il n'y a pas eu beaucoup de. Bon, depuis août, ça va, c'est depuis décembre que c'est la mort. Je crois qu'elle a fait top tendance en France. En trending Twitter, en Suisse romande. Mais c'est bien, il faut être content, c'est bien. Oui. Pour un truc qu'on a... Espérons que celle-là fasse top 1. C'est ça. D'ailleurs, vous avez des trucs à raconter, bah, c'est un truc qui vous est arrivé ce mois-ci. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ce que je parlais avant. Vas-y, dis-le. J'ai un coup de gueule. Vas-y, on t'écoute. J'ai, avant-hier, je suis allé m'acheter une tablette graphique. Oui. Tablette graphique, pour ceux qui ne savent pas, c'est une tablette que tu peux brancher à l'ordinateur sur lequel tu peux dessiner. Et j'ai acheté la Fnac, acheté avant-hier, et je suis rentré, ça ne marchait pas. Le stylo, donc ne marche pas. Je suis retourné à la Fnac, il me dit, mais change le stylo, ça ne marche toujours pas. Je suis retourné ce matin avec mon ordi et la tablette graphique, et ça ne marche toujours pas. Et du coup, bah, je dois attendre qu'ils en commandent une autre d'un autre magasin pour que ça marche enfin. Voilà. Ça vous avait manqué ou pas? C'était mon coup de gueule du moment. Alors promis, déjà... J'attendais une chute, quand même. Ouais, mais j'étais là, on me disait, bon, on vous rembourse pas. Non, mais t'achètes un bon produit à 300 balles et c'est un putain de truc qui marche pas, c'est chiant, quoi. Ils ont rien de spécial, vous? Si, moi, par rapport à ce qu'il y a, l'actualité du jour... qui est quand même ce magnifique virus que Thomas il aime beaucoup. J'étais dans le bus l'autre jour, j'étais assis, puis en face de moi il y avait un petit jeune, hein, 23 ans, 24 par là, plus jeune que moi du coup. Et du coup j'ai mon nez qui commence à gratter. Et puis du coup je achoum sur le côté. Et là le mec il a fait... Mais surtout qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a regardé, il s'est levé, ouais. Et il a été s'asseoir ailleurs. Non mais de plus en plus, mais j'ai remarqué que c'est un réflexe de merde. Bon. De base, je voulais pas parler du corona, mais vu l'actualité qui est un peu plus grave maintenant, au moment où entre l'enregistrement et le moment où j'ai fait le runner, mais c'est vrai que maintenant il y a un truc où quand quelqu'un tousse, le réflexe de con, on le regarde tous. Ah ouais, de ouf. C'est horrible d'arriver à ce moment-là quand même. C'était mon petite anecdote. Et moi, j'en ai deux. Oh.
Déjà, YouTube m'a straqué trois fois pour le podcast. Et comment ils emmerdent, je vais vous trouver les vidéos qui ont fait que je n'ai pas pu monétiser la vidéo. Évidemment, je ne trouve pas génial, on adore. Ah, donc tu monétises les vidéos, je sais. Non, pas du tout. Salaud, tu viens de le dire. C'est vrai que j'ai ça, mais. C'est de l'argent sur l'autre dos. Ouais. Ils m'ont fait chier pour ça. Un malabar. Jamais. Ils m'ont fait chier pour. Merde, j'ai vu. Ah, chier, j'ai regardé ça. Le truc du roux là, la musique du roux. Never give you up. C'est ça. Ah, oui. J'ai pour ça. Et pour. Je sais pas. La musique du roux. Et juste pour mon plaisir. Oh putain, mes oreilles. C'est mal aux oreilles ça. Attends, je cherche là. C'est fameux truc, ouais. Non, et voilà. Et puis, ah oui, deuxième anecdote très drôle. Je sais pas si j'ai été raconté à tout le monde, mais. Chez moi, qui habite en France, on sait que les Français ont une connexion Wi-Fi proche de celle de l'Afrique, hein, extrêmement basse. Et la dernière fois, ça marchait tellement pas, je dis, bon, allez, j'ai fait un test de connexion. Déjà, le test de connexion, on a fait 10 minutes. Et là, il y a un petit message, vous avez la connexion la plus rapide de France. Je te fous de ma gueule ou quoi? T'es bah, connard, ça, quoi. Ça te montre le reste de la France où ils en sont. C'est ça, tu vois. Moi, je vous dis, vivons l'Afrique. L'Afrique, t'as dit? L'Afrique optique. La fibre, pardon. Et je me concentre, il faut que j'articule. Comment veux-tu que je... Recule. T'encule. C'est bien. Et les traversons, c'est bien, c'est cool. Du coup, dans cette émission, on va parler de quoi? On va parler des petites news. Il y a un petit jeu Québec. Il y a la rubrique de films de Campos. Il y a eu Dose du mois by Lazix. Il y a le Man of Quiz. Man of Quiz. C'est le nouveau jeu qu'il y aura à chaque mois, du coup. Parce que la minute de la mort, c'est un peu compliqué. Un peu. Et après, on fera les divers. On va parler du coronavirus. On va bien finir sur un truc bien, bien chiant. Il n'y a pas ma chronique? Si, j'ai dit. Chronique de Thomas. Ah, pardon. Écoute un peu. Et du coup, j'ai parlé de petites news comme ça. C'est très rapide. Hein. C'est du vite fait. C'est du flash news. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... YouTube démonétise toutes les vidéos traitant du Covid-19. Toutes. Ah, j'ai pas vu ça. J'ai vu passer toutes les vidéos qui traitent du corona, et des mots-clés et tout ça, et sont toutes démonétisées. Donc celle-là aussi. En effet, mais c'est pas grave. Mais ouais, parce qu'ils partent du principe que c'est du contenu sensible, et du coup, ben... Mais ils sponsorisent, il me semble, des vidéos, il me semble. Je crois que ouais, mais il y a un délire. Je crois que certains ils peuvent en parler, et pas tous, mm-hmm. Mais de base c'est démonétisé. C'est chelou. Hein, c'est pas, il peut, mais pas les autres. C'est un peu ça. Dans le, c'est vrai que c'est en fait toutes les news ont un rapport avec le corona. Ah, mais ouais. Il y a évidemment James Bond, Mulan et Fast qui a été repoussé, et du coup Sans un bruit 2, tous ont été repoussés. Il y a que James Bond qui a une date, à peu près, c'est novembre. Mm-hmm. Les autres, il n'y a pas encore d'infos, mais je sais que Mulan, Fast, Sans un bruit, il paraît qu'il y a Bloodshot aussi qui va être fait. Je tiens juste à préciser que c'est pas Mulan. C'est Mulan. Voilà. Qui vont être repoussés. D'ailleurs, on va se retrouver, ça me fait parce que du coup, on va arriver en septembre, parce qu'il n'y aura plus le Corona, et il y aura 20 blockbusters à regarder d'un coup. Et donc 20 fois que Romain ira au cinéma. C'était clair. Je rentabiliserai enfin mon abonnement. Et la dernière petite news qui m'a fait beaucoup rire, je pense que tout le monde l'a vu passer, c'est les Belges. Un bar belge qui a fait 2 Corona achetés, une mort subite offerte. Ah non, j'ai entendu. T'as pas vu celle-là? Incroyable. Ça a fait rire personne. Ah, mais surtout que c'était de mauvais goût. Ça fait rire personne. Non, c'est vrai, à part ça, ça ne s'est pas fait rire de base. Et moi, je trouvais que c'était très drôle. Pour ceux qui ne savent pas, la mort subite est une bière du même. Je crois que c'est du même groupe que Corona. Ouais, je me semble. Et du coup, Corona qui continue de chuter. Non, c'est triste, hein, d'arriver à ce moment-là. La débilité des gens. Non, mais je te jure, d'associer c'est ça. Une bière à. Ouais, mais c'est triste, mais c'est. Mais, c'est vrai. Mais petite parenthèse, avec le virus du corona, donc il y a tous les marchés qui s'effondrent. Oui, oui. Et maintenant, quand les pays disent ah, mais on ferme les frontières et puis on ferme les écoles, bah ça remonte. Donc, ouais, donc du coup, tu sais pas pourquoi, mais c'est... Et prenez des conseils sur la bourse avec le podcast qui a... Investissez tous dans le 440. À part ça, c'est le meilleur. Oublié. Pour ceux qui sont amateurs de bourse, c'est maintenant qu'il faut acheter ou jamais. Tu vois, c'est vrai, t'es Michael. Amateur. J'aime la bourse. Non, mais dans le sens, quand je dis amateur, c'est que t'aimes bien la finance. T'aimes bien la bourse. Non, mais c'est vrai, mais quelqu'un qui n'a pas trop de thunes, mais qui en a assez pour faire ça. Bah oui, c'est clair. Je rappelle, moi j'ai parlé avec Campos et son cousin par alliance pendant 2 secondes de racheter des parts de Activision ou du studio qui a fait. Mais c'est vrai, ouais, mis à part sa parenthèse octobre, je crois que c'était. On discutait et puis je disais, oui, mais regarde, CD Projekt, ceux qui vont faire Cyberpunk, l'action elle était genre à 40 balles, un truc du style. Et puis tu regardes maintenant, si je me trompe pas, hein, elle est genre à 80-90 balles, tu vois. On aurait pu faire un plus de 100% ou 100%, je ne suis pas très fort en mathématiques. Et du coup, ouais, c'était. Doublé quoi. Ouais, doublé. C'était les petites news du mois, comme ça, tout du corona. Ouais.
Et avant qu'on passe vraiment à la rubrique du film du campus, on va jouer un petit jeu Québec. Ah! Que j'ai fait il y a approximativement 20 minutes, quoi. Ouais. C'est dommage qu'il a fait rire. J'ai appris un truc. Parce que je côtoie des personnes québécoises dans mon travail. Oh, comme t'as l'air tellement autant quand tu dis ça. Oui, parce que moi, alors. À titre professionnel. Ouais, ouais. Non, je parlais avec un papa québécois, ça m'a choqué. Il m'a dit, on parlait de film, il m'a dit, ouais, je l'ai lu. Smoke weed every day. Promis, non, il m'a dit, je l'ai lu ce film. Quoi? Il m'a dit, au lieu de dire, j'ai vu ce film. Il a dit, j'ai lu ce il film. Il m'a dit, j'ai lu ce film. Apparemment, bon, peut-être qu'il est aveugle et qu'il l'a lu en braille. C'est comme ça. Ils ont peut-être des non, cinémas c'est... où les sous-titres c'est genre des brailles, puis t'as le mec en bas qui fait. Oh, vous me fatiguez. Mais... Du coup, ça m'est venu parce que du coup, on a fait. J'avais la question dans le. La minute du quiz. La minute de la mort, pardon. Le mec, le mec il croise les noms. La minute du quiz de la mort. Du quiz de la mort. Que, il y avait Tué Bill. C'était une vraie info, hein. J'ai vu l'affiche, c'est vraiment écrit, genre tu es Bill. Ah mais ils reprennent mot pour mot. Hein. D'ailleurs, petite rectification par rapport à la minute de la mort de la semaine passée. Sur les films les plus oscarisés. Ah oui. Les trois étaient juste en fait, parce que c'était vraiment les trois qui ont gagné les mêmes nombre d'Oscars. Et en effet, Le Seigneur des Anneaux était le seul film qui avait répondu. Qui a gagné tous les Oscars pour lesquels ils étaient nominés. Exactement. C'est clair. Et du coup, on va jouer à un jeu Québec. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien, c'est chill. Trilogique. C'est hyper chill. Si on gagne, on gagne quoi? Il n'y a rien. Merde. Ah, je participe pas. D'ailleurs, si jamais, dans le Man of Quiz, évidemment, le gagnant, bah, on va faire sa prochaine chronique. Oui, c'est toujours original, toujours. Mais si c'est Thomas qui regagne le quiz, il a le droit à un désinfectant portable. Un client m'a donné ce matin, c'est un petit désinfectant en spray portable. Il est pas très très grand, c'est quoi la taille d'un stylo, quoi. Ouais, direct, il est devant. Donc, le gagnant à la chronique, allez, et le spray. Voilà, et le spray. Et le spray. Du coup, le petit jeu Québec, je vous donne un titre de nom en anglais ou le nom qu'on connaît et vous devez me trouver la version québécoise. Too Fast, Too Furious. Trop rapide, trop furieux. Et non. Ah ouais. Trop furieux, trop rapide. Non, c'est tout, rien à voir. C'est rapide et dangereux. C'est rapide et dangereux 2. Mais est-ce que Fast and Furious, genre 8, c'est trop rapide, trop dangereux 8? Je sais pas. 8 8 C'est des Canadiens, pas des Belges. Je suis belge. Pulp Fiction. La fiction de la poulpe. Fiction pulpeuse. C'est fiction pulpeuse. Ah, yes. Oh, bravo, bravo. C'est fiction pulpeuse. Ça va être un peu plus difficile. Dirty Dancing. La danse cochonne. Danse malsaine. C'est la danse lascive. 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 Là, c'est assez connu, vous l'avez tous. Cars. Voiture. Non. Non, carrosse. Non, automobile. Non. C'est un truc. C'est un mot ringard pour dire voiture. Auto. Non. Cabriolet. Non. C'est la machine. C'est le char. Non. J'amène ton char. Non, c'est les bagnoles. C'est les bagnoles. Les bagnoles. Est-ce que ça vous rappelez le film le Professeur Folding? Ouais. Ouais, avec Eddie Murphy. Professeur Deglingo. Non. C'est horrible, non. Professeur Folding. Vous avez trouvé Professeur Foufou. Non. Il y a professeur dedans? Oui. Professeur. Professeur Perché. Non, la réponse c'est Nigo de professeur. Ah super. C'est Nigo. Nigo. Et celui qui m'a fait le plus rire, Chicken Run. La course du poulet. Le poulet qui court. Poulet courant. Qu'est-ce que ça? Poulet courant. KFC. Poulet en fuite. Donc ça veut dire que je. Attends, c'était le dernier? Non, c'est pas le dernier. Ah voilà. Il y a le dernier. Celui-là, il n'y a rien à voir. Drive. Conduite. Non. Ah, il a rien à voir. Rien à voir. Alors déjà, je conseille le film Drive. J'ai vu par ça. Incroyable ce film. Ouais, grosse bande son, ça. J'ai... Ah ouais. Mais il faut. Attends, qu'est-ce qui en rapport avec le film? Los Angeles. Non. Ça a quand même à voir avec le sens de la conduite ou rien du tout. Honnêtement, pour moi pas. Balançoire. Ouais, c'est ça. C'est un indice. Ouais. C'est un atout de Call of Duty. Commando. Non. Un atout. Passe. Non. Mastodon. L'atout. Te permet que les snipers thermiques ne te voient pas.
Sans un bruit. Non. Non, non, attends, c'est un caméléon. Non. Ninja. Sans froid. Eh bien, sans froid. Sans froid. Pourquoi c'est sans froid, mais c'est sans froid. Sans froid. Sans froid. Bah parce que c'est plus en rapport avec le film, mais après c'est vraiment avoir une interprétation très très littérale du film quoi. Bon pardon monsieur. Peut-être qu'il avait juste le sang froid. Peut-être. C'était du coup le capi. J'ai l'impression qu'on enchaîne un peu les trucs, mais c'est parce qu'après. Attends, faut départager là du coup. Faut départager, on a un. Oui, Thomas il a perdu. J'avoue, attends. Alors, vous avez compté les points. Bah, il y a, c'est très a, difficile, hein. Heureusement, avec des points, il y a des points partout. Heureusement. Heureusement. Il y a tout prévu. On fait quoi du coup? On fait. Juste un point. Bah, celui qui trouve, il gagne. Attends. Thomas ne participe pas. J'ai été éliminé. La tribu. De Dana. Le vote de Jean, du coup, j'ai regardé comme ça. Désolé pour ceux qui écoutent un podcast, ça va être hyper intéressant. Ne blessez surtout pas, les gars. Ne blessez surtout pas. Ikea. Meuble. Un canapé. Un canapé en bois. Un canapé en marbre. Oui, c'est pas le portable. Non, putain, ouais. Un canapé en velours. Un canapé en cachemire. Un canapé en cuir. Un canapé en daim. Un canapé en petit capuchon. De alors, vas-y. Un canapé à manger. Mille et une pattes. Vous allez le trouver. Ouais, mais là, la question, c'est est-ce qu'ils ont repris le titre à partir de l'anglais? Parce que c'était genre Bugs. Et si tu faisais l'inverse, un film québécois, et on va trouver le vrai. Ah, film. On peut faire ça. Comme ça, c'est plus facile. Okay. T'en trouveras, c'est facile. C'était quoi, Mille et une pattes? C'était. Ouais, t'as raison, ton raisonnement était juste. Ouais, ils ont c'est insecte. C'est une vie bestiole parce que c'est A Bug's Life. Ouais, voilà. Ouais, ah, voilà. De bestiole. C'est vrai que si tu pars sur le. Tu trouves un film en québécois et puis tu le. Belle bête. Les petites bêtes. L'aube des morts. Ah, Ah, facile. L'armée des morts. Bien. Yes. Ah. Alors, moi j'allais dire Deaths Don't Die. Ah, yes. Les petites bêtes. Oui, ça m'embête. Ils arrivent à s'empêcher les vers de terre, je sais pas quoi en faire. Une mouche, je trouve ça louche. Et les criquets, ça va être elle. Une coccinelle. Non, une libellule. Est entrée dans mon pull. Ah 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 ah. Une coccinelle en lavant la scène. Et merde. Merci. Allez. Tout de suite, 4 heures de François Pierre. Allez, on avance. C'était le petit jeu Québec, du coup. Bravo, merci. Je gagne les honneurs du public. Il gagne peut-être au prochain podcast en respectant. Je peux faire le prochain jeu si tu le souhaites. Hein. Ah. Si tu voulais que je le souhaite. Merci. Je peux inventer un petit jeu rapide sur des questions. Vous êtes 3, ça fait 9 points, 10 points. Ça copie un peu le Man of Quiz. Oh, je même un petit jeu de. Et Campos n'est plus titulaire. C'est ainsi que Campos, j'ai plus besoin de te demander. Non, et du coup, Campos, ça va être à toi du coup. C'est qu'on a l'impression qu'on enchaîne un peu les. Ouais, mais on a le temps. Comme ça, on a un peu plus de temps pour le Man of Quiz. Chill, et après, on va parler. Du Covid-19. Puis je dois avouer que si le podcast fait pas 2 heures, c'est peut-être aussi pas forcément une mauvaise chose. Parce que les gens ont pas forcément 2 heures à perdre de leur vie. T'as envie de passer 2 heures avec. À partir de du mois prochain, ça va. Alors il y aura les 3 titulaires ordinaires, Campos, Romain, et puis un autre, mais Thomas n'a jamais existé. Quoi? T'as qu'à la porte bleue ouverte, s'il te plaît. Ouais, j'avoue. Hello there! T'as vu, what? Je n'ai pas. Voilà, mais c'était sûr en fait! Ah. C'était sûr! La roi du sel. Incroyable. Du coup, Campos. Oui, c'est moi. Est-ce que tu veux une petite musique de chronique? Oui, je veux bien. Attends, je te rends. Fais-moi. Je sais pas, j'ai rien touché la gros clé. Allez, pour toi. Alors moi j'ai vu un film super sympa, Dark Waters. Je sais pas si Romain tu l'as vu. C'est pas un blockbuster. Non. Alors pas vu, Thomas non plus. Non. Et c'est avec Mark Ruffalo. Exactement. Et Putain, Hulk. Ouais, j'ai toujours la peine avec les films tirés d'histoires vraies. Mais franchement, il est super intéressant. Pour résumer très rapidement le film, c'est DuPont. Donc c'est une société qui crée plein de choses, dont des. Non, c'est pas DuPont et DuPont, dont des poils qui reviendra dans le film, des poils pas les poils qu'on a sur le corps, des poils pour offrir. Et puis en fait, c'est tout bêtement un avocat
qui protège de base les grosses industries américaines, ben, il se retrouve à aider un petit fermier du coin parce que justement, il découvre que Dupont, cette société-là, elle balance des petits réservoirs du carburant un peu pas bon pour la santé dans les rivières. C'est jamais très bon pour la santé. Et puis du coup, ben, ça tue les vaches, ça commence à dégriner. Ouais, c'est une vraie histoire. Hein. Ouais, moi je pense. La vie du petit village, et puis les enfants ils sont pas bien, etc. etc. Et puis du coup, bah, il va un peu combattre cette entreprise qui actuellement, 2020, est toujours. Ouais, existe toujours. Existe toujours et qui est toujours en. En procès. Merci. Alors attendez, petit alerte spoiler pour ceux qui veulent voir le film, attendez 30 secondes, je veux juste savoir, est-ce qu'à la fin il gagne? Bah oui, quand même. Ok. Bah oui, parce que c'est toujours un truc qui gagne des 10 millions, 15 millions par personne. Ouais, c'est super sympa, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est un film super intéressant. C'est un film, bon après, n'attendez-vous pas à voir de l'action, hein. Mis à part ça, c'est un bon film, il y a des belles images. Ah, je m'attendais. C'est celui-là, il est sûr de le passer. C'est une belle histoire, franchement, elle est super bien racontée et puis ça vaut la peine. Après, je sais que Roman n'ira pas voir ce film, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de super-héros, mais franchement, je vous le conseille. Et après, mon deuxième film que j'ai été voir avec ma petite cousine, parce que. Ils sont fait chier, c'est pour, oh, pas, ouais. C'est pour pas qu'on me jette la pierre, c'est En Avant, que vous avez vu apparemment. On l'a vu, ouais. Mais t'as pas besoin d'aller à ta petite cousine. Et je tiens à dire que j'étais le voir en français. Oh, ouais. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de lui qu'il y a le coronavirus. J'avoue. D'ailleurs, combien il y avait personne dans la salle? 5. Alors, il y avait. Non, on était 7, 6, et il y avait deux gens devant nous, c'est tout. On était 6? Non, on était 5. On était 5. Fitz, Gérald, Kay. Et ben nous on était genre une quarantaine, j'étais avec 40 gamins dans la salle. Ah. Et puis j'ai vu le film. Ah, t'étais animateur. Oui, j'étais coé. Et j'étais avec ma petite cousine et puis ma copine. Et puis j'ai vu le film en français parce que moi ça me dérange pas de voir les films en français. Je trouve que c'est assez bien doublé. Les films d'animation en général, ça passe mieux. C'est assez bien doublé. Très honnêtement, petite parenthèse, le doublage français actuellement est quand même vachement meilleur que des vieux films. Moi je l'ai vu passer les soirées avec Campos. Ah, les deux films de Jason Eger où là c'est doublé mais comme de la merde, les films français actuels ils sont quand même assez bien doublés à part ça. Alors j'aimerais ouvrir une seconde parenthèse à cette parenthèse. Je suis à peu près d'accord, mais ça dépend quel genre de film, voilà. Parce qu'il y a une nouvelle tendance qui a été faite au niveau du doublage français, c'est de prendre des célébrités. Et il y a par exemple des Louanes ou comme ça, et ce sont, parce que malgré tout, faut. Ouais, genre, le Roi Lion avec Jamel Debbouze, voilà. Et puis machin. Être doubleur, ça reste quand même un métier, ce sont des professionnels et des gens qui maintenant font juste du doublage parce que c'est des acteurs. Moi je trouve que ça perd un peu en qualité. Ouais. Ouais, d'accord, et en plus, il faut que. Je trouve que. Quoi ? On ferme la parenthèse. J'ouvre une troisième parenthèse. Que le doublage d'un acteur par un autre, il doit être le même. Je donne un exemple tout con. Les Die Hard, j'ai tout regardé en français, j'avais vu ça en anglais. Et ben, j'ai kiffé. Le 5, c'est plus la même personne qui double Bruce Willis. Et j'ai pas aimé le film. C'est vrai que c'est bizarre. Parce que la voix, elle est bizarre. C'est quand t'es habitué à un doubleur. Exactement. Oui. La voix et il faut qu'ils arrêtent. Après, c'est clair que quand tu connais quelqu'un qui a toujours parlé en anglais, j'ai l'exemple de The Rock, John Cena. Tu vois, la voix française, ça pique un peu. Ouais. Mais je trouve pas que c'est dégueulasse. Moi, j'ai vu Bumblebee en français, ça a pas non plus choqué de ouf, tu vois. Ça, c'est quoi, t'as l'habitude. C'est Tom Cruise qui a eu beaucoup de. Mais ouais, c'est là, moi, on me dit, ouais, t'es chiant avec les voix anglaises, mais pour moi, ça fait perdre le rôle de l'acteur, en fait. Pour moi, ça fait partie de lui, sa voix. Et en anglais, il y a des phrases qui vont sortir, qui vont complètement changer en français. Et c'est ça que j'aime pas aussi. Bah, après, ça dépend, je pense, du film que tu vas voir. Dans le sens, si tu vas voir un film d'action, qu'est-ce que tu en as rien à foutre du gars qui fait pampan, cucu avec. Non, je suis désolé, tu mets Avengers, tu mets Captain America qui dit Avengers, ça s'appelle. Oui, mais il y a une histoire, mais par exemple, tu vas voir Fast and Furious, s'il te plaît, l'histoire est rincée. Ouais, et puis, donc, tu t'en fous. Au fond d'avoir Vin Diesel avec une voix en français ou autre. Si tu vas voir, par exemple, là, tout bêtement, Dark Waters en français. Te dire bon ok tu vas peut-être pas te comprendre, peut-être c'est mal traduit, ou, tu vois ce que je veux dire, mais c'est un film de base genre Mulan, voilà. Mulan. Je pense qu'effectivement il y a toute proportion gardée, il y a certains films ça passe très bien. Tu peux parler normalement s'il te plaît? Alors en gros voilà, si t'es pas chiant, et ben t'acceptes le doublage pour certains films. Non, c'est tout bonnement les films d'animation, moi je trouve que c'est super bien doublé en français, à part bien entendu, j'ai pas vu le film, mais apparemment dans Sonic, Malik Bentala, le petit comique français, apparemment il fait pas du bon taf. Alors, c'est là où la raison Thomas, c'est que tu prends des vrais doubleurs, tu prends pas des célébrités qui ont jamais doublé, c'est un vrai travail. Ouais. Tu es comédien avant d'être doubleur. Ouais. Je trouve que c'est un métier incroyable de faire doubleur. Ouais. Je partage. Voilà, le plus choquant, c'est genre Moana. Ils sont juste amusés à prendre Cavana pour faire la voix française. Ah, Moana. Ok. Et juste ça, où les chansons, pour moi, les textes, ils changent tout. Oui.
Et la chanson qui est drôle avec The Rock en anglais, pour moi, elle est pas drôle du tout en français. Je l'ai pas écouté en français, c'est bon. Ouais, bah, écoute, moi, j'ai vu les deux, je crois. Bien mal en français. C'est pas You're Welcome, c'est Pour les hommes. Voilà, pour les hommes. Oui. Ça change pour moi, tout le message est changé. On peut donner l'exemple du Witcher qui ont fait The Sacred to the Witcher. J'ai écouté en 17 langues. Et bah, en anglais, c'est vachement mieux, rien à faire. Ouais, voilà, mais parce que jette un sou au sorceleur. Je sais plus ce qu'on a là-dessus. La vallée des. Ouais. La vallée des. Mais du coup, pour revenir à le deuxième film, donc en avant, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé ce film parce que, bah, comme on le sait tous, Disney c'est plus axé enfant. Enfin, je pense, hein, c'est mon avis. Oui, de façon. Et puis Pixar c'est plus un peu adulte, donc tu t'y retrouves. Et franchement, pour être honnête avec vous, messieurs, attention, hein, t'as pleuré. J'ai quand même lâché une petite larme à la fin parce que. Laisse-moi finir. Parce que pour un peu me dévoiler au micro quand même, bah, en fait, tu fais une projection quand même dans la situation quand il perd son papa, etc. Tu peux te dire, genre, ah, ma famille fait penser à ça, donc du coup, tu lâches quand même une petite larme. Voilà, j'ai perdu l'audience. Hein. Non, tu vois, donc tu te projettes dans le film et donc du coup t'es en mode ah ouais ok ça m'est arrivé, ça peut m'arriver encore etc. Et puis du coup j'ai lâché. Non alors là où t'as raison, c'est vrai que j'ai ressenti ça, c'est que t'as un film pas comme Disney où t'as une genre de, enfin t'as toujours une morale tu vois, c'est toujours chiant. Non, aussi il a une grosse morale. Il y a une grosse morale, c'est ce que je dis, mais c'est juste c'est la que famille, dans quoi. Disney par exemple ça aurait été un vrai Disney pur et ben le papa il serait revenu d'entre les morts quoi, parce que c'est Disney. Peut-être ouais. D'ailleurs je... Bon, faut quand même préciser que Pixar c'est Disney hein. Oui, oui dans tous les cas. Dans tous les cas, d'ailleurs, ça va être le thème du Man of Quiz, si jamais. Mais très bonne vanne de Thomas, on a fait ensemble quand il était dans le film. Il y a un moment, la maman elle dit hey, j'ai un truc à te montrer. Il lui fait grogner et on s'est dit tiens, je t'en parle pas. Ah, alors attends, on a eu deux bonnes réflexions pendant ce film. Alors il y a eu celle-là, il y a eu aussi la question de savoir est-ce que techniquement la mère c'est de la zoophilie ? Sachant qu'elle se tape un cheval. Un centaure. Voilà, mais je veux dire, techniquement, elle se tape la partie cheval. Donc, est-ce que déjà lui aussi est monté comme un cheval bah, c'est donc, cheveux, hein. Ouais, aussi. Mais moi, par contre, alors je tiens juste à dire par rapport à ce film, pour aller un peu à l'inverse de ce que vous dites, moi je trouve que pour un Pixar, je l'ai trouvé un peu trop abrupt. Je trouve que Pixar a quand même pris l'habitude de lancer ses morales, ou en tout cas de nous faire comprendre ses morales de manière plus subtile. Et là, je trouve que c'était un peu gros. Je trouve que le début, c'est déjà beaucoup d'exposition où c'est genre, hey, regardez, je suis petit, là, je suis tout boubou au collège, personne ne me parle. Je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de nuance. C'était très, très caricaturé comme personnage, je trouve, à mon sens. Après, le développement de l'histoire a fait que c'était sympa, puis au final, on se rend compte que c'était en fait le frère et tout. Ouais. Mais je trouve qu'au début, j'ai eu un peu de la peine. Je trouve que c'était vraiment avec des gros sabots qui sont arrivés. C'est... Enfin, un genou avec un centaure. Je vais juste dire que j'annonce qu'il va gagner l'Oscar du meilleur film d'animation de cette année. Parce que comme Thomas l'a cherché pendant le film, il m'a dit ouais, je cherche la fille lesbienne du film. Parce que forcément, maintenant, il va y avoir des couples homosexuels dans tout le film. Et c'est la flic. Mais c'est une petite nuance. Il dit juste dans une phrase Ma copine. Et du coup, voilà, même dans le film d'animation, avant, il passe des gens. Mais c'est subtil, ils le disent pas, genre regardez, il y a une femme lesbienne, etc. Alors, ça, j'aime bien, ouais, moi je préfère. Qui tape un centaure à côté. Oui, mais c'est. C'est vrai que moi, alors pour en revenir au premier podcast où vous disiez que c'était subtil, c'est des petits trucs. Là, ça me paraît juste parce que c'est pas un élément de l'histoire, ça n'apporte rien à l'histoire, c'est juste c'est, ça coule normalement. C'est vrai que la chimère, là, je sais plus comment elle, c'est la meuf du lion, je sais pas quoi, ouais. Ils auraient pu faire un personnage totalement lesbienne avec elle, voilà. Là, ils auraient pu axer là-dessus, là, ça aurait été monstrueux. Mais là, non, c'était naturel, c'est dans une conversation de dire voilà, c'est ma copine, point. Et donc, moi, je vous le conseille pour aller avec vos enfants, non seulement pour eux, petite morale, etc. Et puis, pour ces deux films, j'ai préféré quand même Darkwater, même si c'est un film plus récent. J'ai mis une bonne note, je crois, il me semble, un 7,75, je sais pas pourquoi je mets des 75 et des 25. Il est très précis. Mais généralement, ce qui fait le 75 ou le 25, c'est il y a une musique. Par exemple, là, dans le film d'Aquateur, il y a Country Road, que j'adore beaucoup. Ouais, c'est normal. Et donc, du coup, bam, ça fait un petit bonus. Non, pas du tout. C'est Take my country road, take me home. Bonjour Jean-Michel, je suis à côté de la plage. Ok, bonjour. Ah ouais, moi aussi j'aime le cool tri. J'adore le. Ah la Joe. Toi, là, c'est porté, mec. Et du coup, voilà. T'as vu, il y a des réponses dans le boule, hein. Oui, c'est bien, j'ai bien vécu là. Et là, du coup, normalement, dimanche, je vais voir De Gaulle, un film français, voilà. Vous allez me dire, Romain, s'il va voir De Gaulle, alors là, franchement, je cours tout nu. Dans la rue. Étant la Gaule. Avec la Gaule.
Et puis lundi, je vais enfin voir. Oui, non seulement Peanut Butter Falcon, mais aussi ce film Bad Boy. Bad Boy 3. Ah, Bad Boy. T'as toujours pas vu ? Non, toujours pas vu. Et j'irai le voir en français. Parce que c'est. Fuck Romain. One last ride. Moi, j'ai vu aucun. J'ai vu, je crois, depuis. On s'est arrêté à quoi, nous, podcast ? On s'est arrêté avec quoi ? Sony ? Ouais, Sony, quoi. Sony par là, ouais. Non, on avait parlé de Nightmare Alone ou pas du tout ? Oui, vous avez vite très rapidement, ouais. Bah, j'ai vu le podcast. J'ai vu trois films. J'ai vu Richard Joel. Ouais, qui est. J'ai bien aimé. Invisible Man avec Campos, et puis on a. Countdown aussi. Countdown, j'avais déjà vu, moi. Non, après, il n'y a pas eu de grand film. Là, il n'y a pas grand chose. J'ai vu Spy in Disguise avec Will Smith, et puis le film avec le pigeon, là. L'animation avec le pigeon. Non. Il est déjà sur Pokémon Time. Ça me fait rire quand il sort des films déjà sur Pokémon Time. Parce que je pense, à mon avis, il a glissé au niveau de. D'ailleurs, vu qu'on parlait. Il est assez drôle. T'as fini du coup avec les films ? Oui, j'ai fini. Alors, du coup, vu qu'on est sur les. On a un peu de temps, on a fait de l'avance et tout. Disney Plus va débarquer en France, j'ai vu, je sais pas si c'est en Suisse, ça va arriver en même temps. Oui, en Suisse aussi. En Suisse aussi, le 24 mars. Et vous en pensez quoi, vous ? Vous avez vu le catalogue un peu ? De toute façon, c'est tous les Disney, pour moi ça me suffit à prendre le truc. Vous en pensez quoi ? Vous pensez que ça peut concurrencer Netflix ? Non, pas du tout. Non. Honnêtement, je pense pas non plus. Moi, j'ai c'est vu le catalogue. Diversifié Netflix. Alors, ça, le catalogue, il est monstrueux, mais en fait, c'est tout leur contenu. Alors certes, c'est intéressant. C'est Disney, quoi. C'est Disney, mais c'est cool le catalogue qu'ils ont. Dès le départ, il est énorme, mais moi je vois pas Disney continuer à avoir autant d'originalité qu'à Netflix, tu vois. Non, parce qu'ils vont faire des petites séries dans les films. Ouais. Et donc, du coup, imagine une série sur Chicken Run. Non, pas Chicken Run. Poulet en fuite. Poulet en fuite. Tu sais, des petites mini-séries, et au final, le contenu, il va être bien pour les enfants. Mm-hmm. Donc, je pense que ça va être top pour les enfants, mais pour les adultes. À part se mater des films rincés comme Le Roi Lion et des films fantastiques comme Le Bossu Notre-Dame, non, et ben du coup, au final, je pense pas qu'il va concurrencer. Non, je pense par contre qu'il est excellent pour les enfants, oui, très honnêtement. C'est ça. Actuellement, Netflix ne propose pas grand chose pour les enfants. Moi, j'ai vu les enfants, c'est Peppa Pig, incroyable. Si, il y a des films de famille, mais genre dessins animés. C'est pas ouf. Donc Disney, pour les enfants, ça va être incroyable. Pour les adultes, ça va vouloir. Ouais, ils vont juste surfer sur la vague de nostalgie. C'est-à-dire que le Mandalorian, ils vont sortir une semaine, enfin un épisode par semaine, sachant que 80% de la population sera déjà vu. Ça sera des pics comme. T'as déjà pas vu, toi, Mandalorian ? Non, toujours pas. Là, je me suis lancé dans la dernière saison de Better Call Saul. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on continue. On va faire ça cet été, je pense, le Tchernobyl. Oui, il y a plus. On va pas voir ça d'ici, de toute façon. J'ai lâché l'épisode 1. Sérieux ? Ah ouais. Mais Romain n'aime pas les films sur l'actualité et puis sur les films. L'actualité, série Tchernobyl. Oui, mais c'est des. Tchernobyl, des l'actualité. Des faits réels, inspirés, voilà. Autant, c'est vrai que l'accident de Tchernobyl, ça m'intéresse pas du tout. Ah ouais ? Ah, moi, si. Autant la série aurait pu m'intéresser, ouais. Mais je trouvais trop. Ah non, moi j'ai bouffé. Parenthèse, les réalisateurs de Tchernobyl vont faire une série. Oui, sur Fukushima. Non. Bah, ça aurait été dans le sens. Non, mais putain. C'est pas Last of Us ? Last of Us, voilà, Last of Us. Mais non, ouais. Ah non, pas Tom Holland, non, c'est qui j'avais vu ? Non, Tom Holland, il va faire Uncharted. Ouais. Oui, mais Last of Us, il parlait déjà de certains acteurs. D'ailleurs, l'acteur, je l'avais validé d'ailleurs. Et donc Last of Us va être fait par incroyable. D'ailleurs, il y a aussi Monster Hunter qui va. Oui, et avec Mila Jovovich. Incroyable, j'adore. J'avais vu les Antilles. Même si. Monster Hunter. Ton jeu vidéo là. Ouais, c'est ça. Il va y avoir la série ? Non, un film avec Mila Jovovich. À voir. L'histoire entre le cinéma et des adaptations de jeux vidéo, pour l'instant, c'est pas vraiment une belle histoire d'amour. En tout cas, les années 90. Même encore dernièrement. Ça va encore. Sonic, ça va. Sonic, Pikachu, ça va quand même. Ça va un peu dans Pikachu, j'étais étonné en bien. Oui, voilà, bien sûr. Un peu en moins bien, moi. Moins bien aussi. Hein. Oui, je m'attendais à rien. Quand tu tapes. Et moi, ils ont bien réussi les Pokémon. Oui, ça, il est pas mal, t'es stylé, à part Mr. Moon qui était. Non, à voir. Franchement, Mr. Moon, il me faisait peur. Bénéfice du doute, moi je dis. Et d'ailleurs. En parlant de trucs mal faits, vous avez vu la bande-annonce de Pinocchio ? Parenthèse, c'est glauque ! Parenthèse, oui, parenthèse. J'ai été voir donc du coup Darkwater, bande-annonce de Pinocchio, film super sombre, drame, glauque, etc. Je vais voir en avant. Alors le film, il te sort toutes les meilleures scènes en mode Pinocchio est content. En fait, pour motiver les enfants à aller voir ce film, alors pour moi, il va être super. Et surtout qu'il est hyper glauque. Moi, j'ai eu le même. Tous les personnages font peur. J'ai eu le même ressenti que quand j'ai vu Winnie l'ourson en live action. J'ai trouvé Winnie l'ourson hyper flippant. Oui, il est super sympa le film. Ah ouais, t'as vu ? Oui, le Winnie l'ourson avec Obi-Wan Kenobi. Oui, Evan McGregor. Tu es Bob Windows. avec Evan McGregor. Oui.
Mais oui, c'est celui qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Oui, ouais, bah, ils sont pas le film. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à faire de la merde avec leur live action là. Ouais, moi, j'avoue que Winnie l'ourson comme Pinocchio, quand j'ai vu, c'était en mode. Moi, je suis tout regardé pour Obi-Wan Kenobi. Moi, je suis regardé comme ça, c'est. Bah, comme dirait Campo, c'est mignon, c'est sympa, voilà. Et puis, puis voilà, ça passe quoi. Plein de choses qui sont mignonnes et sympas. Mais Pinocchio, c'est hyper bleu par contre. Moi, je vais aller le voir, je pense. Pinocchio ? Ouais, c'est sûr, je vais le voir. Moi, je vais pas voir les films d'horreur, donc je vais pas voir ça. Tu vas pas le voir, Killa ? Si, j'ai avec toi d'ailleurs. Ouais, top. Nickel. Ça, je suis sur la piste. Mais par contre, on le voit l'italien. Ah ! Incroyable. Parce qu'il y a Roberto Benigni. C'est sûr. Il y a le gars de Astérix 1. C'est sûr. Qui joue des détritus. Je suis pas fan de Astérix. Mais de toute façon, tu le vois à 3 secondes dans le film et après, il se fait avaler par la baleine spoil. Un popular opinion, toujours. Ma unpopular opinion, je n'aime pas Astérix Obélix. Ah, ok. Voilà. Je n'ai pas aimé H non plus. Ah, ça. Ah non, si, non. Ça a mal vieilli quand même. Ah, ouais, mais c'était drôle à l'époque. Ouais, mais c'était l'humour français des années 90 et tout. Ça m'a dit. Interrompu. Et c'est la démonétisation pour qui là. Non, mais voilà, c'est Disney Plus surcoté, vous pensez? Bah, moi honnêtement, alors vous dites c'est pour les enfants, moi je pense que c'est un catalogue qui me parle quand même dans un certain sens. Genre, t'es gamin, j'aurais trop eu envie d'avoir ce truc. Non mais moi je te parle de moi là maintenant, j'ai quel âge? 27 ans. Je veux dire, il reste quand même tous les Star Wars. Il va y avoir tous les Star Wars, il va y avoir tous les Avengers. Alors tu vas me dire, oui c'est très limité, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Mais moi avoir une accessibilité non-stop à tous les Disney déjà de base, pour moi c'est le kiff. Alors très honnêtement, moi qui vais bientôt être parrain d'ailleurs, si jamais, la semaine prochaine. C'est beau. Je n'irai pas au cinéma la prochaine si j'avais. Ouais, pas de problème. Non, mais du coup. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Bon, t'auras Sarah parce que. Qui deux semaines... Qui ça raccroche. Smoke weed every day. C'est magnifique celui-là. Allez, on peut voir ça. Allez, il est monté celui-là. Après, assez de musique. Drop the bass. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est bon. Thank you. Mais du coup, ouais, moi j'avoue que si je devais garder ma petite fille, je pense que je prendrais Disney+. Ouais. Moi j'allais prendre le mois gratuit déjà pour me faire le Star Wars 4, 5, 6. Mm-hmm. Ouais. Parce que là je tombe en pleine. Je me prends en regardant Vador. Avant, il faut que tu refasses le 3. Ah putain, le 3. Non, mais le road, on incroyable. Mais du coup, voilà, c'était la parenthèse film. Merci Campos. Merci à toi. Exposé que tu es le mec qui a le plus ciné d'entre nous. Oui, bien sûr. Parce que dernier mois en tout cas. Non, c'est pas vrai. Hein. Moi, je vais voir trop de films. Là. Ouais, en avant. Non, mais honnêtement. Non, je vais voir Gentleman. Ah, j'ai pas vu ce film. Il est bien. Voilà. Non, mais après, voilà, sur 10 films qui sortent, je vais en voir peut-être 7. Ouais, toi, tu vas voir trop de 7, films. 6. Mais parce que. Ah, j'étais comme ça au début et ça m'a vite fait chier. Mais parce qu'en fait, c'est comme. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Pour moi, aller voir un film au cinéma, c'est. J'ai plus l'envie d'aller au cinéma que de le voir à la maison. Par exemple, moi, je pense que c'est plus à la maison. Oui. Non. Même pas. Ah non, moi, si honnêtement, si je pouvais, j'irais beaucoup, beaucoup plus souvent au cinéma. C'est juste qu'avec le taf et tout, je peux me permettre voilà, une fois par semaine, ça me fait chier. Mais moi, si je pouvais, je le ferais beaucoup plus. Bon, moi, je t'avoue que je suis pas allé voir Dark Water, c'est tout, je vais le voir, mais j'étais. Bah, qu'on a décidé d'aller voir en avant, à la base, je voulais pas le voir parce que j'étais en mode. C'est bon. C'est vrai. J'ai vu La Voix de la Justice, un truc vrai, Richard Jewell. Et je me suis dit, je vais pas enchaîner un troisième, tu vois. Et c'est ça que je suis allé voir en avant d'ailleurs. Ouais. Après, c'est aussi en fonction du film. Hein. Par exemple, un film d'horreur, je vais pas le voir avec Allison, elle aime pas ça. Donc il par contre, d'horreur, je vous l'ai fait tous par contre. Voilà, c'est ça. Et puis après, tu vas Killer. Là, on a deux bons qui vont sortir. D'ailleurs, c'est avec Compos, on a vu. Genre, c'est extraordinaire. On a vu un film, on a vu une noire qui cueille du coton, j'ai dit, fais par les producteurs de Us. C'était exactement ça. C'était, je sais pas, mais ils vont sortir bientôt. Non, non, mais moi je trouve qu'aller au cinéma, et c'est pour ça que j'aime par rapport à beaucoup de gens qui me disent, moi je vais pas au cinéma tout seul. Moi j'aime aller au cinéma, et même tout seul, parce que c'est, je trouve, une autre version du film. Et c'est très sympathique. Donc moi je préfère. Donc si je pouvais, j'irais plus souvent au cinéma. Du coup, en gros, tu as acheté un autre truc? Oui, juste une dernière chose, parce que c'est un truc très très important à dire sur le cinéma. C'est une phrase très, très importante. Ouais. Ça va être assez long, mais n'oubliez pas que le cinéma est un art vecteur d'émotions qui nous transporte dans autant de monde que l'imaginaire de l'homme est capable tout, de concevoir. Non, ça fait pas tout. Donc n'oubliez pas que c'est très important d'aller au cinéma. Il faut savoir que Thomas, à la base... Écoutez, je pense que c'est un artiste très dévoué, très engagé. Non. Ça doit être le Nouvel Ops ou je ne sais pas quel est cet article. Pour l'histoire, c'est que quand j'ai commencé à faire les reviews Game of Thrones, c'est dans l'idée parce que Thomas, il aimait bien faire des reviews sur Facebook, qui était assez intéressant, moi j'aimais bien en tout cas.
Après, bon, bah, son coéquipier, il est disparu. Abusé. Mais par contre, petite parenthèse, tu parles de ça. Moi, je trouve que. Beaucoup de parenthèses. Oui, beaucoup de parenthèses. Ouais. C'est que je pense que ce que tu faisais avec ton compadre sur Facebook peut être transposé sur Instagram. Et sur TikTok. Parce que c'est un truc très, très petit. Tu parles très vite fait du film, etc. Tu ouvres une petite page. Ouais. Ça peut être super c'est sympa. Et donc, du coup, tu peux un peu avoir des personnes qui te suivent. Et ça peut être sympa. J'ai mis un hashtag Durandal. Mais j'ai pas Instagram. Mais c'est pour ça que du coup, j'ai inclus la catégorie film dans le podcast. Parce que, bah, en l'occurrence, il y avait une chronique. Donc, j'ai donné un campus, mec. Ouais, ça a changé. T'as pas Instagram, mais tu peux te faire un compte juste pour ça. T'es pas obligé de faire un compte pour. J'ai pas envie d'avoir Instagram. Ça répond aussi plus rapidement à c'est son autre débat. C'est un nouveau unpopular. Que nous aurons dans le podcast 2055. Du coup, on va passer aux doses du mois. Ah. Qu'est-ce que les doses du mois? C'est un sujet que Romain a trouvé et que nous allons débattre tous ensemble, la main dans la main. Bah, je suis pas d'accord avec cette opinion. Moi, je suis pour. Moi, je suis pour. On aura le quiz. J'espère que vous travaillez bien. Vous êtes en train de dormir ou en voiture. J'espère que vous. Attention à la route, putain, fais gaffe! J'espère que j'aurais pu mettre ça sur Spotify. Je suis pas encore sûr. Si vous m'écoutez sur Spotify, c'est que ça a marché. Sinon, bah, vous tapez YouTube. How much money? Pas du tout, je m'ai pas du tout monétisé. Et voilà. Alors, Romain, quel est le. J'aimerais juste faire une petite pub pour vous parler de Red Legend. Je sais où, Shadow Legends. Non, alors. J'ai tout simplement tapé sujet de société. Oh, t'es c'est sérieux, un gars mec. Qui se fait pas chier, quoi. Pour me faire des idées de ce qu'il y avait. Oui. J'ai regardé plusieurs sujets. Et 90% c'était. Le coronavirus. Voilà. Donc j'ai trouvé un sujet qui rebondit en fait sur. Un sujet qu'on a eu au dernier podcast sur les jeux vidéo. Ah oui. Dans lesquels on avait une question: est-on trop vieux pour jouer aux jeux vidéo? Et il y a une vidéo que j'ai beaucoup aimée sur le site, c'est une dame qui travaille sur le cerveau, neurologue, je sais plus comment dire, qui fait toute une conférence. Une podologue. Jouons tout de suite au métier qui finit en hug. Hug. Alors. Onologue. Spéléologue. Oncologue. Podologue. Gérontologue. Neurologue. Géologue. Oculogue. Je suis pas sûr que ça existe. Gynécologue, ça a été dit? Ah, gynécologue, non. Pas non, ça a été dit. Vous avez dit sexologue? Non. Sexomax. J'en ai plus là. Perdu. Thomas. Archéologue. Oh putain. Oh, je lis. Killer. Je sais pas. YouTubeologue. Paléontologue. Perdu. À moi. Catalogue. Fini. À toi. Non, bref. Beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires pour moi. C'est le money! Here we go! Money de fort! Allez, tu peux y aller! Je sais pas, ah oui! C'était du coup par rapport au sujet qu'on est trouvé pour jouer aux jeux vidéo et ils ont fait une étude sur plusieurs personnes et dans cette étude, en fait, on a appris que la majorité des gens qui jouent aux jeux vidéo à la maison avaient plus de 33 ans pour les parties masculines. Sérieux? Ouais! Comme quoi, nous ne sommes pas encore trop vieux pour jouer aux jeux vidéo. Est-ce que c'était défini jeux vidéo? Oui. Quelle était la définition? Alors, ça, je pourrais pas. Ah, ok. Parce que. T'as rien imprimé? J'ai juste imprimé sur le site. C'était parce que je voulais juste regarder. Ils ont interviewé plusieurs personnes. Alors, d'ailleurs, petite question. Oui. Oui. Je vais voir où vous en êtes. Ouais, mais ça site, ça. Killer. Oui. Dis-moi. Est-ce que tu dirais qu'en jeu vidéo, tu es assidu, donc tu joues plus de 2 fois par semaine. Tu es régulier, ou tu joues au moins 2 fois par mois. Ou occasionnellement 2 fois à 3 fois par an, ou tu es non-joueur. J'essaie de jouer, honnêtement, j'essaie de jouer 2 fois par semaine. C'est hyper dur parce que j'ai un emploi du temps qui me l'empêche. Et je suis devenu vieux, je suis fatigué très vite. Mais à part ça, je me suis rendu compte, petite parenthèse à nouveau, c'est qu'avant, on jouait extrêmement tard. Tu vois, avant qu'on jouait avec la squad, moi je rentrais vite. On restait jusqu'à 23h minuit. Et maintenant, à 22h30, bon, bah, je vais me mettre mon Scrubs saison 5, d'ailleurs, j'y suis déjà. Et après, je vais me coucher, mais avant minuit, je dors en fait. C'est horrible. Et ça m'en fout. Ouais, Alex pouvez-vous répéter les catégories? Est-ce que tu joues 2 fois par semaine ou plus? Ouais, facile. Au moins 2 fois par mois. Bah, en fait, le truc, c'est que si tu dis ceci, par exemple, au téléphone. Parce que là, sur le téléphone, bah, je joue tous les jours. Toi, t'es un gros joueur. Après, oui, bah, justement. Et après, jeu vidéo. Quoi. En vrai, jeu vidéo, donc à la maison, sur ma petite console PS4, je joue facile 2 à 3 fois, voire plus par semaine. Thomas?
je pense si j'inclus là maintenant la Switch, parce que la PS4 j'ai pas touché pendant depuis quasiment 3 mois, je pense que je suis quand même à 2 fois par semaine. Tu joues à quoi sur la Switch? À Smash Bros. Là on est en train de torcher Smash Bros. Ah ouais, Smash Bros. Sachez que nous sommes tous les 3, on fait partie des 31% des gamers qui ont été interviewés. Yes. Qui jouent le plus. Ouais, on n'a pas le coronavirus. C'est beaucoup par semaine, yes. Par semaine, mais qu'à un moment, il y a une époque que je jouais. Mais non, à une époque, mec, c'était genre. Pour vous faire une idée, 31% des personnes interviewées, des hommes, jouaient plus de 2 fois par semaine, 33% au moins 2 fois par mois, 25% occasionnellement, et 11% ne jouent pas du tout. Ça, c'est... Et en fait, tout ça, c'était pour mener une étude pour savoir, c'est là le sujet de société. Ah, c'était. Ouais, c'était juste un lien. Les jeux vidéo aident-ils dans la vie de tous les jours et au travail surtout? Oh. Aident-ils? Ouais. Font-ils développer le cerveau en fait? Moi je pense que ça dépend du travail. Est-ce que la question est posée finie? Oui. Ah, ok, d'accord. Enfin, pour vous, moi après, okay. j'ai une réponse là-dessus. Mais... Stéphanie de Monaco! Non, oui, en gros, c'est, ils ont fait des tests, ils ont prouvé que, effectivement, les parents qui stressent en disant je joue pas aux jeux vidéo. Ça va te rendre abruti, ça va te rendre violent, toutes ces conneries, bah, ça a été un peu démontré autrement, c'est-à-dire que les jeux vidéo développent des parties du cerveau, que ce soit par les réflexes, que ce soit par... après ça, oui, c'est, ça fait partie des traumas. En fait, ça, le jeu le plus flagrant pour ça, c'est Minecraft à part ça. Moi, je suis créatif, je suis pas du tout fan du jeu, c'est ça, mais à part ça, le côté créatif, moi j'ai le fils de ma collègue joue à Minecraft et ça l'aide à développer sa créativité. En jeu vidéo, c'est sûr. Je vais te donner en fait ce que tu peux développer. Ça peut développer la concentration, la persévérance, la réactivité, la patience, la stratégie, la compétition, les jeux de Call of et tout ça, la créativité Minecraft, les réflexes, la rapidité et l'esprit d'équipe. Et tout ça, ça peut être en fait remarqué chez les gens qui travaillent. Alors, ça dépend, comme dit Alex, le travail que tu fais après, mais je pense dans les grandes firmes. Parce que c'est vrai que si Killer, son travail d'équipe dans son métier, je pense dans les grandes compagnies, c'est là où tu vas, en fait, si tu joues à des jeux vidéo, tu peux être plus développé sur certains points que des personnes qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo. Ben, je te propose que tu poses la question à quelqu'un dans cette table qui joue à son travail à Call of Duty. Par exemple. Oui, alors c'est vrai que moi, mon travail est très basé sur le système des entreprises américaines qui est, on travaille, on est une équipe, mais on sait aussi, il y a des moments où il faut se reposer. Et donc, du coup, effectivement, on a la petite bière le vendredi, on a la petite partie de Call of Duty à partir de 5 heures, on se fait 2-3 petites parties un peu pour souffler. C'est du team building. Voilà. C'est honteux. Incroyable, celui-là, son préféré. Ah, il part là-dedans aux impôts. Hein. Donc, du coup, voilà. Donc, après, le truc, c'est que ça te permet de te reposer 10-15 minutes, même si c'est tout bête. Mais oui, après, vrai, tu repars dans le taf et puis t'es content et tu vis ta journée, quoi. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire, sur le sujet de société, que arrêtez d'écouter vos parents quand ils vous disent que ça va vous rendre stupide et que vous allez devenir violent. Et sachez que ça peut développer des compétences pour plus tard dans le travail. Mais moi, je trouve que ça s'est calmé un peu maintenant. En fait, c'est qu'on est la nouvelle génération. Donc nous, on est nés, même ceux un peu plus vieux que nous qui commencent justement à être parents, ils sont nés avec des jeux vidéo aussi. On est qu'on appelle la génération Y. Ouais, les boomers. Ça va se développer de plus en plus parce qu'on est de plus en plus baigné dans le jeu vidéo depuis qu'on est gamin. Quand tu vois que tu as des gamins sur les téléphones portables de leurs parents à 3 ans. Nous, on va être plus souple là-dessus vu que nous-mêmes, on a grandi avec ça en fait. Ah, c'est vrai, alors, c'est comme le côté compétitif. À force de jouer des jeux dits compétitifs, Call of, Rainbow, tout ça, tu t'accroches à un truc du coup de la compète, tu kiffes ça et tout. Et moi qui étais un grand joueur de solo, ça m'a vite... on n'avait pas le film, faut que ce film. Et ben, ça m'a fait du bruit, t'inquiète. Et ben, j'ai eu trop du mal. Par exemple, Alex m'a offert... machin là, je crois qu'il s'appelle. A Plague Tale, parenthèse, qui... lors, il y a eu une cérémonie des jeux un peu indé. C'est les lions ou je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Ça a remporté quand même 7 à 8 prix au niveau du jeu. Donc franchement, c'est une petite pépite pas très chère. Il y a 4 ans, j'aurais joué à ce jeu. Et là, j'ai trop la trop bien peine. Trop bien. Du coup, j'ai joué à Descending, ça m'a vite saoulé de porter des caisses. Et du coup, je suis sur Horizon Zero Dawn. Je l'ai acheté 11 balles parce qu'il était... j'allais voir les jeux du mois, d'ailleurs à Sonic si jamais. Et il y a Shadow of the Colossus. Allez-y, tous les... Parenthèse, j'ai acheté Shadow Colossus un jour avant qu'il dévoile le PS abonné machin là gratos. Un jour d'avant, je l'ai acheté.
pour genre 10 balles ou 15 balles, je sais plus. Et le jour d'après, il est gratos. Super. Pensez à moi qui a acheté Heavy Rain 50 balles, et pour moi, il est gratuit. Hein. Ouais. Pensez à moi qui a acheté Battlefront, qui est joué littéralement, je pense, 15 minutes, et le plus jamais touché de ma vie, il était 80 francs. Alors, oui, wow. Parenthèse, j'ai demandé à Thomas de jouer avec moi à Battlefront 2, qui était approximativement 10 balles. Ouais, et on a joué quand même aussi 15 minutes. Mais... Petite question. Oui. Quel est le jeu que vous avez acheté et joué le moins de temps? Bah, Battlefront 1. Ouais. J'ai littéralement fait, je pense, deux parties. Ouais. Alors, au début, c'était Rainbow. Rainbow, je l'ai acheté en pensant que c'était un jeu où il y avait une histoire. Zéro. Et après, j'ai torché, mais. Non, moi, c'est Battlefront 1 fois 1. Ouais, mais ça doit être un World Peace Burning. Non, même pas. Peut-être le dernier Battlefield, là, où, en Première Guerre mondiale. Là. Actuellement, on descend des aussi. Je l'ai acheté. Non, moi, en fait, le truc, c'est que. Enfin, parenthèse, pour ma part, moi, je pense que si Battlefield 1. Je crois que j'ai joué peut-être une ou deux parties, mais. On a joué à la bêta. À la bêta. Ouais, ça déjà. On a joué un moment quand même. Hein. Moi j'ai joué juste à la bêta. Non, non, c'est pas du Fils 5, Jack Banner. Mais. On l'a emmené jouer beaucoup à part ça. Parenthèse. C'est un jeu sur Switch, pardon. Autre parenthèse de ta 20ème. Death Stranding, en fait, le truc c'est que. Si t'es habitué à l'univers de Kojima, de toute façon je sais pas où tu sors, mais tous les Metal Gear, etc., certes il y a de l'action, mais c'est beaucoup d'histoire, beaucoup de visuels, le son, etc. Bah, Death Stranding, tu peux pas kiffer, tu vois, si t'aimes pas déjà ce type de jeu-là, donc toi, tu vas pas kiffer, Dordo m'a demandé s'il est bien, je lui ai dit, écoute, toi, tu vas pas kiffer le jeu, c'est vrai que porter des caisses, c'est une simulation de facteurs, c'est pas intéressant, ouais, c'est ça, hein. Mais l'histoire, elle est super cool, et il y a des événements, c'est super bien fait le jeu, donc du coup, au final, est-ce que tu préfères un jeu beau, une belle qualité, ou un jeu où le gameplay est fort, et là, c'est pas le gameplay qui va faire le taf, quoi. Bah, je trouve que justement, Horizon Zero Dawn, t'as le côté histoire qui est assez touchant, enfin, jusqu'au début, hein, je t'avoue, je suis encore très loin d'avoir fini, mais il y a un peu le côté peu action qui est assez stylé. D'ailleurs, je bénis le mode très facile des jeux vidéo, s'il vous plaît. On est là, c'est le pire, ce mec. Et oui, je suis là. J'ai une autre question. Oui. Est-ce que vous pensez dans le prochain SmackDown, il y aura une version sans public? Non, mais c'est pas du catch. D'ailleurs, sachez, il aurait dû y avoir normalement. Un épisode spécial catch le mois prochain. Je ne décidais pas le faire parce que Mania va sûrement être annulé. Et ce qui serait incroyable. Une des personnes qui devait venir faire la chronique, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour le faire. D'ailleurs, on prend le penser à Miguel qui. Voilà. Non voilà, c'était peut-être la partie pas nécessaire. Non, mais en gros, voilà. Mais on va enchaîner de manière parfaitement naturelle. Je vais vraiment regarder en mode. Qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, alors j'ai une anecdote, je vais revenir sur la question anecdote. Ce matin, j'avais rendez-vous avec le prêtre pour préparer mon mariage et tout. Alors attends, je vais attendre que ça passe. D'ailleurs, oui. J'aimerais quand même que tu parles de ton week-end. Ah ouais, mais ça c'est encore... Donc juste ce matin, j'avais donc le rendez-vous avec le prêtre pour préparer toute la cérémonie. Et à un moment, on en est arrivé, voilà, il lit ses textes et tout, parce qu'on doit choisir des textes dans la Bible. Et il est arrivé sur le thème de l'homosexualité, et tu sais, tu sens vraiment que c'est le sujet sensible. Et là, c'était pareil, il y était, donc il était déjà en train de glisser au niveau du sol, tellement que c'était savonneux. Et tu vois, il essaie de faire, oui, non, mais enfin, voilà, la Bible, après, moi, j'ai rien contre les homosexuels, mais voilà, la Bible, voilà. Et j'ai eu un peu le même sentiment là avec Killer qui commençait un peu à patauger au niveau du... La situation où il s'est mis tout seul. Non, mais moi j'hésitais, je me dis, est-ce que je. Non, non, c'est un peu comme le. Parenthèse, c'est un peu comme le Taker quand il fait des casquettes match. C'est sa stipulation et c'est lui qui se sent enfermé dans le casquette. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Écoutez, c'était pas une attention, je voulais faire non, non, de, non, de chou. Non, c'est le voir. Tu vas regarder avec une tête, gros. Mais effectivement, pensez à Miguel. Oui. Enfin, là. Je propose de. And his name is John C. Voilà, pour enchaîner, moi aussi, est-ce que Mania sera annulé? Oui. Je pense que oui. Oui, bon. Je pense. Ce serait incroyable. En fait, pour mettre le contexte, dû au Covid-19, je vais arrêter de l'appeler coronavirus. Du coup, il y a beaucoup d'événements. Bah, l'E3 d'ailleurs qui a été annulé. De toute façon, l'E3 il était déjà un peu à l'eau, non? Parce qu'il y avait Sony qui s'était retiré. Ah, il y a un nouveau Halo. Non, cette année-là, c'est ça. Ah bon alors je... Non, ils avaient présenté la PS5 et tout, donc je pense pas, non. Mais du coup, aux States, la situation est aussi grave, ben, il y a des endroits où, par exemple, actuellement, la WWE fait des shows avec zéro personne. Ouais. Je vous conseille de regarder ça, d'ailleurs. Dans une arène vide. Rien à voir, mais vous avez vu PSG machin, PSG Dortmund? Ouais.
C'est glauque les matchs en j'ai pas regardé, que... moi j'ai pas regardé. Moi, j'ai les matchs d'entraînement. Ouais. Juste kiffé, regarder l'image du journal où tu vois Neymar qui fait ouais, le poussé, il a le point levé au public. Puis je dis, mais pourquoi il fait ça? Il y a personne. Ouais. Ça, c'est un réflexe à force. Hein. Ouais. Mais je dois avouer que c'est très très glauque de regarder les matchs, notamment de Champions en huis clos. Parce que t'as l'impression en fait de regarder la 4ème ligue interrégionale. Mais vraiment, et je trouve que ça donne un côté Pompini-Colombier, ouais, c'est ça, ça. Ça donne un côté pathétique à l'histoire. Et bah après voilà, c'est des mesures qui doivent être prises et c'est encore autre chose. Mais... ouais, du coup, sûrement que Mania va être annulé. L'Euro. Vous aussi. Savez qu'il n'y aura pas de podcast spécial catch. Non, il y aura un podcast Twilight classique avec de nouveau les titulaires. Est-ce qu'on pourra faire une fois un podcast spécial Twilight? New Revelation. Je vais aimer Twilight. Hein. T'as bien aimé ? Moi j'ai bien kiffé les films Twilight à part ça. Next. C'est aussi une unpopular opinion ? Non ? Non, c'est juste de la merde. Ok, ça c'est très bon. T'as aimé quoi dans Twilight ? Non, on est parti. C'est bon, j'ai réussi. Il a eu un peu de pression à... excusez-moi. À du coup, ben, t'as pas quoi ton truc, t'as fini toi? Oui, il a fini, bah on a débattu, on a passé à autre chose. Ouais. On a eu pas mal de parenthèses ouvertes entre deux. J'avoue, faut qu'on attaque les parenthèses. Faut qu'on en ferme quelques-unes là, ferme. Je sais pas trop où est-ce qu'on en est, mais enfin. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est attention, parce que nous allons passer directement au Man of Quiz. Ah oh. Ça sera assez court. On va voir ça. C'est pas ça. Je vais vous raconter parce que. Attends. Thomas, depuis le moment où j'ai dit qu'il a fait une chronique, me casse les couilles. Ça fait des semaines qu'il me dit ma chronique, ça va être ma bite. Et il a réellement imprimé une feuille où c'est écrit ma bite est minuscule. Alors c'est faux. Je vais vous lire techniquement la feuille. Titre et conclusion. Je vais vous lire. Ouais, parce qu'il y a péroraison, il y a tout. Il y a ma tub est minuscule, fin. Voilà. Donc, le Man of Quiz. C'est un sujet à débat. Si t'as besoin de faire comprendre, il y a une tarte que tous les sons sont pareils. Pareil. Donc, le Man of Quiz va être le rendez-vous chaque mois pour savoir qui va avoir une chronique. Et aujourd'hui, le prix spécial est un petit désinfectant portable de la marque sponsorisé par Ray Shadow Legends. Connaissez-vous Ray Shadow Legends? Et du coup, à la différence, on va pas faire la mine de la mort. Je vais expliquer comment ça va passer le Man of Quiz dorénavant. De base, normalement, faut être là, ça va être le thème Disney, parce que de base, Mulan sortait sur le mois-ci, et donc il a été repoussé. J'ai perdu. Non, attends. Donc j'ai fait pas un quiz Mulan, j'ai fait un quiz Disney. Ok. Facile. Donc il va être en deux étapes. La première étape, vous serez les trois. Okay. J'ai 10 questions. Je vais vous poser une par une les questions comme ça, un par un. Celui qui a les plus de bonnes réponses, il est qualifié pour la deuxième manche. Je fais qu'il en reste que deux, et le dernier, ben, il fait rien, il observe. Donc, après, il y aura une deuxième partie. Celui qui a remporté les points avant, celui qui a gagné avant, tout le monde, a le droit de choisir entre le thème, un thème, et l'autre, je prends l'autre, en fait. Okay. Je tiens à dire que c'est chez moi, donc si je perds en premier, vous le cassez. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui, ça, t'as fait un peu près de chez Cole, ça. Tu préfères quoi ou l'autre? Mais du coup, ma question est la suivante, des questions que tu vas poser à un chacun son tour. Si moi j'ai faux, ça passe à Romain. Ah oui, pardon, merci. Putain, j'avais Jean-Michel. Putain, wow. Si Jean-Michel à moitié. Non, voilà, pour pas que machin. Si je pose la question à Compose, Compose n'a pas la réponse, et que l'un de vous l'a, il récupère le point. Il récupère le point. Ah, ouh. Ok. Du coup, le premier qui a 3 points, on va se dire 3 points, il est qualifié, et après il restera plus que 2 si jamais. Okay. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. C'est pas un jeu de vitesse. Hein. C'est 4 points, Killer. Parce que si on fait tous 3 points, bah, ça fait 9 sur 10. C'est pas grave, une question. C'est la main noire. C'est la main noire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est qui commence? Bonne question. Première question. Est-ce qu'on fait un Shifumi off? Non, vous savez quoi? J'ai pensé à un chiffre. Un chiffre. Entre 1 et 3. Bah, celui qui a le tien. Moi, je dis 1. Mais tu dis un chiffre. Un chiffre, c'est entre 0 et 9. Oui. Oui. Okay. Ok, alors ouais, je pense à un chiffre plus près et il commence. Okay. Entre 0 et 9 ? 0 et 9. Attends, vas-y. Moi je dis 2. Ouais, mais après c'est biaisé parce qu'il dit 2, il dit 4, je dis 3. C'est ce que je veux dire. Moi je dis 7. 5. Et bah c'est. Compose. Okay. Et du coup on fait. Juste comme ça, c'était quoi le chiffre ? C'est 6. Ah ouais, pas mal. T'avais 17 ?
J'ai dit 5. Si, ça ressemble à 5. Ça peut être tapé 5. Si, c'est 5. Voilà, on en est à là. Non, c'est bon, je laisse ça compose. Alors, Fagus, sinon. Non, mais je laisse ça compose. Vas-y, commence. Yes, j'ai gagné. Et tu gagnes de l'ordre public. Et c'est là où je vais faire baiser par ma question. C'est clair. Compose. Oui. Quel est le plus vieux film Disney? Blanche-Neige et Sept Nains. Bien joué. Yes! Bravo. Ouais, c'est le plus long, le plus ancien long métrage. Parce que c'est pas le technique. Il y a eu d'autres Disney avant. Oui, les Mickey. Oui, ah oui, pardon, oui. C'est le plus ancien long métrage de Disney. Long métrage, ouais. C'est même le premier en fait. Merci, Maître Coppel. Voilà. Qui a été fait en 1937. C'est vieux. Vieux. Putain, c'est vieux. Il raconte l'histoire de Blanche-Neige. Et les Sept Nains. Romain. Oui. Quel est le film le plus vendu de Disney? Ah, vendu en type DVD et. C'est de merde. Non, mais parce que ça. Non, mais vendu, ça veut dire quoi? Les entrées cinéma. Je pense que c'est en box office, c'est pas ça. La blanche. Putain, la blanche. La reine des neiges. Erreur. Ça tombe. Le roi lion. Non plus. Alex. Après, ça tourne, ça continue à tourner, donc il n'y a pas de point. T'as dit le roi lion, lui il a dit. La reine des neiges. Un classique. Mary Poppins. Non plus. Juste une question quand on parle de Disney, on parle. Voilà, merci. Ah. J'ai dit un film Disney, j'ai pas dit un film d'animation Disney, j'ai dit un film Disney. Endgame. Bien joué, c'était Endgame. Ah putain. Ah ouais, Et Romain remporte un point. Ah, putain, donc, c'est fou, précis, hein. C'est précis. C'est fourbe. Dans les questions, il y a justement la question du coup. C'est Disney, c'est très général. Thomas. Combien de films d'animation ont comme personnage principal une femme? Oh, et là, je vous dis, bonne chance. Je les ai à compter. Bah, je propose qu'on fasse pas 6 fois le tour, parce que sinon on est genre à faire une fourchette. Dans le sens, c'est entre 0 et 50, tu vois ce que je veux dire. Et après, lui, il dit plus, et après... Ok, ouais, ça me va. Vas-y. C'est entre combien déjà, pour commencer? Donne large. 0 et 30. Okay. 17. Presque. Plus ou moins? C'est plus. 18. Ah, derrière. Putain, j'ai avant ça. Par contre, tu l'aurais ça été ça compte, non, ça compte les animaux? Ou c'est genre femme-femme? Oh, c'est honteux. Et voici Romain qui ne retrouvera plus jamais de femme. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Voilà, merci. C'est sûr, en fait. 17 animations. Il y a la Reine des Neiges. J'ai 2 points. Et... 2 points, ouais. Il reste donc plus qu'un point pour se qualifier. Romain? Non, c'est à moi. C'est ah oui, c'est bon, pardon, excuse-moi. Jean-Michel. Je vais sauter pas que virtuellement. Alors, attention, ce quiz a été fait il y a 3 semaines. Donc, il n'est plus à jour. Plus forcément à jour. Quel est le dernier film d'animation Disney? En avant. Eh ben non, du coup non, je dois te dire que c'était pas... Je l'ai fait il y a 3 semaines, il n'était pas sorti, il est sorti la semaine passée, connard. Ouais, mais bon, c'est juste. Bah non, j'ai fait ce quiz... Oh putain, c'est bâtard. Bah ciao. Bah ça, c'était... C'est à moi. Oui. La Reine des Neiges 2. Ça, la Reine des Neiges 2. Super. Ouais. j'ai essayé. En plus, je prends le point. Donc 2-2 et Thomas 0. C'est à Romain. Romain. Oui. Et ouais, il était dur, tiens, le bâtiment. Celui-là, c'est la réclamation, je vous le concède. Romain, quel est le film d'animation le plus vendu de Disney? Le Roi Lion. Oui, mais c'est le remake. Bah, c'est. Bah, ça reste le Roi Lion. Ouais, c'est un film live action. Moi, on m'a dit, c'est pas vraiment un film d'animation, c'est plutôt un. Ouais. Un live action. Bah, là, je prends le point. Hein. Ça dépend. Ah, Alex va chercher sur internet. Il y a contestation. Il y a la VAR. Alex il va contrôler. Et pour l'instant. C'est simple, hein, s'ils mettent. Nous attendons du coup. Le verdict. Ok, c'est bon. Le verdict. C'est bon? Vas-y. Il s'agit d'une nouvelle version du film d'animation Le Roi Lion sorti en 1994. Ce film utilise la technique de l'animation 3D, donc ça compte. Ah, le coup. Romain à 3 points. Et du coup, tu as les foules. Je vais faire comme Thomas, sauf une femme. Vas-y, faut au moins que j'assure ce point-là. Sinon, je peux aller me coucher. C'est con, là. Tu peux arrêter, c'est bien. Les gens sont en entier ou. Ouais.
Hop là, voyage. C'est-à-dire que si tu marques, Majora, tu fais 2 et tu refinis sur toi. Thomas. Oui. Allez, poulain. C'est pas cool parce que t'as pas une question facile. Non, mais donne une facile alors. Non, on prend dans l'ordre. Non, ouais, c'est des questions assez compliquées. Thomas, en quelle année Disney a racheté Pixar? Quelle bande de fils de patard. Et il a les pires questions, lui. Ouais. Bah, en tout cas, c'est acheté une fourchette. Oui, il y en a plein ici. Est-ce que c'est la fourchette verte? Qui vous permet d'avoir un menu. Que c'est vous, Rich Adolé. En tout cas, c'est après Toy Story 1. Toy Story 1 qui est sorti dans les années, il me semble, c'est genre 2001, 2002, 2003, par là. Il est si vieux que ça. Ouais, tu serais étonné. Allez, je te dis 2006. Bouh, c'était ça en plus. Oh, je suis un champion, putain, mec. Incroyable. C'est pas la création de YouTube aussi. Allez. C'est bon, c'est la remontada de Thomas. Ouais, là, si je rate, tu gagnes du point. Par Thomas. Il va les doubler, non, cette question. C'était le 5, mais lequel suis-je, merde. Campos. Il en pèle. Je vous l'avance déjà, il n'y a pas de fourchette. Dans quelle année est décédé Walt Disney? Quoi? En quelle année est décédé Walt Disney? Walt Disney Senior. C'est pas 1967. Ah, c'est presque. Ah, il est presque. C'est presque. Il a donné quand même une réponse. Vas-y, Thomas. 1969. Ah, il a pas dit si c'était plus ou moins. Non, j'ai pas dit. Bon, vas-y. Tu dis 67 avant? Ouais. C'est plus ou moins que 69. 1966. Yes. Oh, l'année de mes parents. Merci. Vous voulez les trois dernières questions? Ouais, ouais, pour le plaisir, pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour tout jouer, du coup. Quel est le dernier achat de gros cigales par Disney? Fox? Yeah, c'est Fox, ouais. Fox Cap. Oh, merci. Ouais, c'est extrêmement dur, ok. Alors, du coup, moi aussi, je quel est le premier Star Wars produit par Disney? C'est facile, ça, par contre. Le 7. C'est rêvé de la force, mais... C'est vrai que très bien. Ça fait 3-3, tu vois, 3 partout. Et... Comme ça, vous arrivez trop. J'ai du mal à trouver la réponse, moi-même je galérais. Quel premier film Marvel produit par Disney? Le Soldat d'Hiver? Non. Non, j'y crois aussi, mais non. Produit par... Est-ce que ce serait pas Civil War? Non, pas du tout. Thor 2. Tortue? Non. C'est Iron Man 1? Eh ouais, c'est Iron Man 1 qui a été produit par Disney en premier. Mais non. Si, j'ai vérifié. Pour moi, je trouvais que non plus, mais en fait, ça fait un bail. Hein. Tous les Iron Man depuis... Iron Man 1, il y a juste Hulk qui était avant, je t'en prie. Oui, oui. Ouais, donc là, du coup, c'est final Romain, moi. Et c'est lui qui choisit, parce que sinon, après, on se fait expulser. Et du coup, bah, du coup, c'est quand même des bons premiers. Donc, en effet, Romain et Alex qui vont passer à la finale. Sous les spectateurs de Thomas. Wouhou! Il y a plus de spectateurs qu'à la. Qu'à SmackDown, le PSG Dortmund. Aussi. La question. On a le droit d'avoir des bonus, genre l'avis du public en demande à Thomas. Il y a une question bonus. Le 50-50 qui vaut 3 points. Vous pouvez la demander quand vous voulez, mais elle est très dure et il n'y a pas d'aide du tout. Et je truc prêt. Il y a deux thèmes, okay. Ceux qui vont choisir. Il y a 5 questions à chaque thème. Okay. Celui qui répond à plus a gagné tout simplement. Le thème numéro 1. Le thème c'est Mulan. Thème numéro 2, c'est Hercule. Non mais Alex a gagné forcément, il les connaît beaucoup mieux que moi. Je vais prendre Hercule. Mais non, Mulan, mec, l'enculé. Ah oui, c'est vrai, si tu connais Hercule, c'était fini. Je connais mieux Hercule que Mulan, mais je connais pas assez les deux. Si, sérieux, mec, c'est des classiques. Ça reste des classiques, mais c'est pas les films que j'ai plus vu. C'est honteux. Mais moi, Mulan, je suis une pile. Moi, je sais que c'est la famille des fats. Moi, c'est tout. Je sais qu'il s'appelle Mouchou. Vas-y. Alors. Tu parles des films d'animation Disney là. Oui, c'est Hercule Animation. Hercule Animation. Pas parce qu'il y a le film avec The Rock. Hein. Non, c'est Hercule Animation et forcément c'est Mulan Animation. Okay. S'il y a un prix pour manque de jugement. Tu es prêt? Ouais. Je vais faire un zéro pointé. Hein, mec, bon, c'est un toto. Qui est le père d'Hercule? Zeus. C'est bien. Quand même. C'est quoi, je vais faire comme ça parce que ça me fait chier devant d'être aussi. Long à faire le. Attends, fais une petite fenêtre. J'ai peur. Petite fenêtre. Petite fenêtre. Attendez, les gars. J'avais pas de laisser Hercule, je te fais du mort. Justement, je t'ai fait du mort sur les pieds pour l'instant. Tu mets le Roi Lion. Il faut que le Roi Lion. Et les mecs, j'ai perdu. Franchement, je me sais Jack ou moi. Ah, parfait. Cela, je l'ai dit.
Attends, je m'organise. Hein. On meuble. Une chaise. Une table de salon. Une souris verte. Un bosquet. Oh là là. Wow. Une table d'extérieur. Une véranda. Une vitre. Un bosquet, c'est un meuble. Oui, c'est un meuble naturel. Oui, si tu mets plusieurs petits arbres. Ouais. J'ai bon. Voilà. Quel est, alors le prénom évidemment, pas le nom, le nom de famille. Quel est le nom complet de Meg? De Meg? Oui, de Meg. Megara. C'est des questions. Oui. Je m'attendais à un piège. Question numéro 3. Comment s'appellent les souffres-douleurs d'Hadès? À chaque fois, je fais faux, je crois. Peine et panique. C'est peine et panique. J'ai toujours peur de faire faux. C'est pas grave, on va pas tuer. Si, Alex, il a le regardé. Perdant, en fait, a genre droit à un coronavirus. Attends, il y a 5 questions, mais est-ce qu'après la 5ème, je te demandais un bonus? Oui. Ou c'est, ça doit être une des questions? Non, c'est un 5. Si t'as fait les 5 et que tu veux faire les questions bonus, tu peux. Okay. Par contre, une fois que t'as clôturé ton sujet, ça passe à compos. Oui. Tu peux plus rien faire. Question numéro 4. Quel est le style musical chanté par les 5 muses? Du gospel pur. C'est bien. Super facile la question. J'espère qu'ils seront durs, ça me là. C'était facile. C'était facile. Numéro 5. C'était facile. Qui est l'interprète de la chanson Il me reste un espoir? En vrai ou dans le dessin animé? En vrai, c'est pareil. Dans le dessin animé, quoi. Non, mais lui demande si tu parles de l'acteur. Ouais, l'acteur qui chante. Il demande la voix, non, ou le personnage en film. Non, je suis allé vérifier et la voix est différente que le chanteur. Quoi? Et ouais. J'ai pas compris. Est-ce que tu veux que je te donne le nom du personnage dans non, le film? Non, je veux le. Non, bah non. Ah, d'accord. L'acteur, c'est ça, ouais. Enculé. Chanteur. Pas le personnage. Il me reste un espoir. Il était oui. Enculé. Aucune idée. Je vais dire Bolavoine. Mais il était mort, mais. T'es sérieux, moi? Mais il est mort en 86, mais. C'est Patrick Timsit. C'est ça, bravo! Bravo! Oh mon dieu! C'est un point pour moi! Daniel Balavoine. Mais d'ailleurs, dans La Reine des Neiges, c'est pas Edith Piaf qui chante la chanson aussi, mec! Excuse-moi, t'as perdu au premier tour, non? Alors ferme ta gueule! Oui, Patrick Timsit qui fait la voix française de. Philippe Zaccaria. Et ben non, justement pas. C'est pas parce qu'il dit qu'il fait la voix de Philippe Zaccaria. Si, en français, si. Bah, moi j'ai regardé, il y avait pas lui à part ça. Non, si, en français, c'est lui à mettre du. Fait pendant que je regarde. Alors peut-être, non, ça c'est dans Mulan, pardon. Oh bah putain. Pardon. Non, si, à part ça en français, Hercule, c'est lui qui fait. Par contre, dans Mulan, c'est différent. Il y a un gars qui. Il a la tête. Hein. Est-ce que tu as fini, Romain? Non, Romain, je veux la question bonus. Merde, j'ai tenté. Donc tu as 4 points. Ça te permet de passer à 7 points. Si tu l'emportes. Si je l'emporte. Quelle est l'année exacte de la sortie d'Hercule? Je te rassure, la question bonus de compo, c'est bien plus hardcore. Il fait effectivement la voix de Philoctète. Ok, pardon. Je n'ai aucune idée. Je vais dire un truc au bol. Hein. S'il y a un prix pour manque de jeu. 97. Moi j'aurais dit pareil, ou alors 98. S'il fait cette date, c'est que c'est proche, mais c'est pas ça. 1997, moi je dis. Exactement, 1997. Et du coup, moi je commence par bonus. T'as commencé par bonus? Bah oui, comme ça c'est fait, c'est plié. Ok. Bah oui, comme ça c'est plié. C'est pesé. Alors du coup, attends, il faut que je passe. Je crois que j'ai le ticket gagne. Ta gueule, putain. Ferme-la. Quoi, tu baisses toi aussi là? Les questions super simples. Ah, quand même. Mais bah, est-ce qu'au final, alors c'est quand même juste l'histoire de Patrick Timsit? Oui, pardon. C'est même qui chante. Non, c'est dans Mulan que c'est différent, alors excusez-moi, j'ai... Oui, bah, c'est lui, voilà. C'est voilà, j'ai une question sur qui chante quoi. Oui, c'est la chanson. Alors qu'on pousse... Attends, du coup, faut que je prépare. Si jamais regarde-moi. Non, tu n'as pas le droit de tricher. En Chine. Tu vois... Bah oui, je commence par le bonus, comme ça c'est plié. La question bonus de 3 points. Quelle est la durée du film... Ah, c'est pas grave, là j'ai mis à 2 minutes près. J'ai mis à 2 minutes près. Non, tu mets à... Non, c'est 2 minutes près. C'est une question à 3 points, hein. Je dis qu'elle était à part. Ah, t'as vu la question que j'ai, mec? Oui, bah écoute. Le film, il dure 1h. 27. Attention, question. Parenthèse. Est-ce que ça compte le générique de fin? C'est la durée du film. Alors 1h27, je reste dessus. T'as la réponse. Oh, joli! C'est 1h28. Oh, bah,
Putain, il est dans un trop fond. Tu vois comme quand tu te plains. Ouais, mais écoute. Alors, du coup, question. Il y a une question, c'est qui chante quoi, s'il te plaît. Question. Question 1 est facile. Quel est le nom de famille de Mulan? C'est sérieux, mec? Non, en fait, le dit, gros. T'as un effort aussi, hein. Est-ce que c'est. Non, je pense savoir, est-ce que c'est Fa? Putain, mais je l'ai dit avant, mec. C'est Fa Mulan. Fa, non. Mulan, question numéro 2. Comment s'appellent les camarades de Mulan? Les camarades? Oui, camarades. Il y a Yao, Shin et Shenpo. Shin, Ling, Jing. Je t'avais posé cette question. Ah, ouais. Quiz. Oh, arrête, s'il te plaît, Yao. Alors, Marc Balavoine, on n'accepte pas. Merci. Question numéro 3. Comment s'appelle le général de forme en outre, entre autres Mulan? C'est le général de Gaulle. Non. J'aurais le général. C'est vraiment un truc raciste. Et si c'est ça, je rigole. C'est le général Chang. C'est vraiment le truc en mode. Alors, nom de famille chinois, hein. Chang. Chang. C'est pour toi, ça. Oui. Attends, du coup, il a combien de points là? Bah, il a 6. 3 juste. Ah, il a 6. Là, tu peux égaliser. Attends, il y a la question. Tu peux égaliser. Chanteur de quoi, mec? Comment s'appelle le petit dragon qui accompagne Mulan? Mouchou. Et la question. Je sais ce que ça va être la question et je pourrais t'aider, mais je peux pas. Attention, la dernière question. Campos peut gagner ou alors il y a égalité et dans ce cas il va falloir les partager. Voilà. La question numéro 5. Chante. Quel chanteur interprète la chanson comme un homme? C'est clair, c'est ça la chanson. C'était clair et net. Qui n'est apparemment pas la voix. Non, par contre lui n'est pas la voix du gars. Oh, j'ai un doute. Et en plus j'en ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Un goutte. Tu vois, moi j'ai ce gars qui a à l'esprit, mais je pense pas que c'est lui. Tente. Je tente quand même parce que c'est un chanteur français de renommée mondiale, mais je ne pense pas que c'est lui, mais je tente quand même. Bonjour. Est-ce que c'est Patrick Fiori? Oui! Putain! Bravo, Alex! C'est honteux! Comment les départage par contre? Hein? Non, il y a 5 et 3, 8, 6, 7. Oui, j'ai fait tout juste. Toi, t'as pas fait juste les questions. Non, t'as pas eu. C'est pas du déficit. C'est moi qui ai eu pas du déficit. Et c'est donc Campos qui va partir avec non seulement la podcast numéro 3, qui fera la chronique, et tu pars avec le petit Simlab désinfectant pour les mains. Oui. Oui. Voilà. Bravo. C'était du coup le Man of Quiz. Tu vois, t'as. Nous vous rappelons que oui, mais moi je râle. Sponsorisé par Red Shadow Legend. Je suis un jeune voix dans la. Honnêtement, j'étais persuadé que c'était toi qui allais gagner en premier et que t'allais choisir. Mais honnêtement. Au début, j'hésitais à dire Mulan ou l'autre. Ou l'autre. Ah ouais, genre, de toute façon, pris l'autre. Hein. L'autre. Mais je crois qu'il y a une question dans l'article que j'aurais pas trouvé. Laquelle? C'était. La chanson? Non. Le style de musique. Bah, l'année, t'as dit 98. Oui, non, mais j'aurais dit 97 de base. Par contre, vous avez été chaud hein, pour les dates et tout. La durée aussi, hein. La durée, ouais. Bon, les Disney en général, c'est 1h30. En tout cas, les gens. 1h30, ouais, pour me faire. Je sais pas, il y a une question que tu t'as posée. Tu m'as dit 1h et tout. Je dis merde, moi j'ai la réponse en minutes. Alors. Jean-Michel, c'est pas calculé. Mais du coup, voilà, c'était le Man of Quiz. Non, il faut sur Zeus. Non, c'est une question, je pense, c'est la troisième. Je sais plus. Je peux te dire, attends. Alors je vais vite meubler en attendant, je tiens juste à dire que la chanson de McFly et Carlito, Boomer, je sais pas quoi, c'était la grosse tour. Ah ouais. J'ai jamais vu un truc aussi pathétique de ma vie. J'ai découvert Boomer récemment, ce que je voulais dire. Ok, ouais. Michel Boomer. Bah, je sais pas. Alors, j'ai un peu de la peine ces derniers temps de manière générale avec le duo, mais alors là, je les ai trouvés d'un pathétisme, c'était... Ça marche, non? Hardcore. Mais... Attention, je crois que tu n'as pas bougé un truc comme ça. Tous les abonnés Killer, il est cassé. Et merde. Bon, regarde ton truc, toi. Tu veux que j'ai un moment, du coup? La troisième question. Oui, non, c'est Megara peut-être, j'aurais pas trouvé. Ah, le nom entier. Bah, ça, j'ai dit le prénom parce que ton. Ah non, Panic. J'ai déjà Panic, sérieusement? J'avais Panic, mais pas l'autre. Comme ça, il me venait pas l'esprit en fait. Ben! Panic! Disney World d'ailleurs, si jamais. Non, Tarzan. Non. Roi Lion. Ah, Tarzan, t'es bien. Ouais, vraiment, Tarzan, il est incroyable, mec. Au début, quand ça fait. Tan. Tu le dis, si on doit meubler. Incroyable.
Non. Surprise, motherfucker. Allez, c'est pour vous ça. Et mais c'est quoi? C'est. Ce n'est pas la. Ça, les plus jeunes, ils savent pas. C'est l'heure de la chronique de Thomas. Qui elle va être très courte. Allez. Et c'est Thomas. Thomas. Ok. Et du coup, c'est l'heure de la chronique de Thomas. Je change de page. Il faut savoir qu'en fait, le 12 du mois de Romain et maintenant la chronique de Thomas, on n'est pas au courant qu'on pose ses boîtes de ce que c'est. Oui, c'est vrai. On a voulu être dans le secret le plus total. Ouais. Bon, après, ça reste quand même dans des thèmes qu'on aborde de manière générale autour de ces podcasts. Le thème, ça peut être toujours la même chose. Non, mais voilà. Mais j'avais effectivement dans l'idée, au moment où j'ai gagné cette chronique, de parler de quelque chose que j'avais envie. Enfin, quand t'es passionné de quelque chose, c'est toujours plus sympa d'en parler. Et là, je dois vous dire que... Est-ce que tu es amateur de... Je vais vous parler d'un film, en fait, que j'attends, et c'est pour vous dire à quel point je l'attends, plus que genre Endgame. Quoi ? Tu me fais tellement peur, mec. Et plus que Star Wars 7. Voilà. C'est ma bite. C'est ma bite. Non, alors je vais vous demander, pour commencer, est-ce que Dune, ça vous dit quelque chose? Oui, le jeu. Moi je connais deux. Ouais, moi je connais le jeu. Dune et deux? Ok. Romain est éliminé. Pardon, c'est le truc qui s'appelle Dune? Ouais, Dune. Moi, Dune. Est-ce que Dune ça te parle? Oui, moi je connais, mais j'ai jamais lu. Moi c'est le jeu personnellement, ouais, c'est pas une blague. Dune? Ouais, il y a un jeu qui s'appelle Dune. Ouais, c'est possible. Ouais. Sur PS1. Mais est-ce que c'est en rapport avec. Le oui. Je sais pas, en tout cas le jeu ça parle de genre des bases sur le désert, puis il y a genre un truc qui te mange. C'est ça. C'est ça. C'est ouais. Ça, c'est ça. Il y a pas eu un le 1, ils ont pas fait un film à l'époque. Alors, ça va être un peu l'idée de ma chronique. Tu arrêtes de parler de sa chronique. Parce que pour en fait vous contextualiser l'idée de ma chronique, c'est que techniquement à la fin de l'année, il va y avoir un film Dune qui va sortir qui sera réalisé par Denis Villeneuve. Oh là là, c'est bon, c'est mieux français. Non, québécois. Non, il est canadien. Alors, non, c'est pas celui qui a fait Lucie et tout. Hein. Non, non. C'est pas Luc Besson. Non, justement, mais il est français. Mais non. C'est le jeu de la chronique. Denis Villeneuve, pour te dire. Ouais, mais Sicario 1, tu l'as pas vu? Non. Arrival? Non, ou Arrival? Oui. Oh, c'est Nexus. Hein. Blade Runner 2049? Je voulais le voir, mais je l'avais pas encore passé. Bon, en fait, c'est honnêtement un de mes réalisateurs préférés et il est sur une streak à peu près de 6 films exceptionnels les uns après les autres. Ils sont vraiment tous bons et je les conseille. Et Dune, alors pour vous contextualiser, c'est. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que depuis avant, Dune, c'est pas ce qui passe. Dune d'un côté et de l'autre. Alors je vais dire Dune. Non, Dune à la base, pour vous situer, pour ceux qui ne savent pas, c'est un roman de science-fiction écrit et publié en 1965 par Frank Herbert. Alors ça risque d'être un peu, voilà, il va y avoir un peu d'histoire ou comme ça, mais c'est important. Chapitre 1. Si jamais vous convaincre qu'il est minuit de. Non, vous verrez, c'est quand même stimulant ce que je vais dire. Donc c'est un roman de science-fiction qui suit l'histoire. C'est un classique, honnêtement. C'est un classique de la science-fiction. Je le conseille véritablement de le lire. Ça parle, en gros, rapidement de Paul Atreides. Ça se situe dans un contexte, évidemment, intergalactique. C'est des familles qui s'entre-déchirent et tout. Et ça se passe sur une planète qui s'appelle Dune ou Arrakis, où, en fait, c'est la seule planète de l'univers où il y a ce qu'on appelle l'épice qui pousse. Et l'épice, en fait, c'est le dédicace à l'épicerie. Dédicace à l'épicerie, effectivement, c'est le produit en fait qui permet tout, qui permet les voyages interstellaires, qui permet aussi la préscience. Enfin, c'est un peu perché, mais c'est super intéressant. Donc voilà, c'est l'élément central de l'univers. Donc cette épice pousse sur Dune, et Paul Atreides en fait est le fils du duc Leto Atreides, qui se voit confier la gestion de cette planète. Donc, c'est le contexte. C'est très intéressant comme histoire, honnêtement, c'est très sympa. Après, il y a toute une saga et tout, mais c'est juste que. Donc, c'est sorti en 1965, et c'était évidemment. Une rencontre avec le cinéma était inévitable, forcément. Et en fait, c'est une histoire d'amour qui n'a jamais vraiment eu lieu, parce qu'il y a eu trois étapes dans l'adaptation de Dune. Il y en a une première qui n'a jamais eu lieu, je vais y revenir après dessus. Il y a celle qui a eu lieu, mais honnêtement, qui n'aurait pas forcément dû exister, et il y a celle qui va venir et auquel j'ai beaucoup d'espoir. Alors, je vais vous parler de la première. Le respect. Non, mais je vais vous dire. La première,
Au revoir, Campos. Campos, c'est là. Allez, les gars. c'est vous verrez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, Dune, à la base, ça reste quand même un univers hyper complexe. Il y a beaucoup d'éléments. Je vais pas rentrer en détail, vu que je vois que j'en perds déjà la moitié. Mais voilà. Je connais un petit peu. Voilà, mais c'est un univers hyper complexe avec plein de personnages. À la base, dans les années 1970, je sais pas si ça va vous parler, il y a. Il y a Alejandro Jodorowsky. Qui est un putain de réalisateur, mais enfin, pas putain dans le sens incroyable, mais il est complètement perché. Il a réalisé par exemple La Montagne Sacrée, ouais. Qui est. Attends, deux secondes, j'ai dit, j'aimerais juste prendre un verre, c'est tout. Tu veux pas? Si, mais je veux, mais tu me fais dans un verre, comme ça moi je garde le verre, tu gardes la canette. Tu veux pas le verre, lui, dans la canette? Oui, mais pourquoi t'as ramené l'autre verre alors? Je me dis, un autre verre, pardon, excusez-moi. Non, ah, t'inquiète, hein. Parce que genre, mode, je veux un autre verre, c'est de la merde. Parce que non, pas du tout, c'est trop moi, juste. Moi je prends le verre et toi tu prends la canette. Excusez-moi, hein. Non, t'inquiète. Prenez le verre. Mais hop, c'était pour ça. On se dérivait. Non, mais là vous allez voir, ça c'est intéressant. Moi, il y a un peu de contenu en plus, mais ça permet d'apprendre des choses. Moi, je suis resté sur le Duc, j'ai envie de savoir l'histoire. Mais même parenthèse, même si le film de l'époque est peut-être considéré à chier, ceux qui l'ont vu, etc., moi j'ai trouvé sympa le film. Non, mais alors là on en est au premier film. Enfin, c'était une idée. On est encore là. Voilà. C'est Jodorowsky, il avait l'envie de faire le film, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce mec est complètement perché. Et en fait, alors pour vous dire, à la base, il voulait prendre genre des mecs comme Mick Jagger, donc le chanteur des Rolling Stones, il voulait Salvatore Dali, il voulait Orson Welles, il voulait que la musique soit faite par Pink Floyd, il voulait tous que... Morts, en fait. Hein, tous morts. Oui, ils sont tous morts, notamment, mais c'est dans les années 70. Il voulait que le film dure 12 heures. Voilà, et il s'en battait les couilles. J'ai pris une de ces citations, mais je ne l'ai plus, parce que voilà. Mais en fait, il disait, je veux faire comme pour les gens qui prennent du LSD, mais sans la drogue, en fait. Et il avait dans l'idée de faire ce film, là, à nouveau, je le cite, il dit, l'écrivain de Dune, c'est Herbert, il dit, je vais violer Herbert, mais avec amour. Donc, le mec était vraiment perché, mais il avait un projet qui était complètement taré. Et là où ça devient quand même intéressant, au-delà de ça, c'est qu'au-delà du casting, il y a un documentaire qui est sorti sur ce film qui n'a jamais existé, parce qu'il est complètement fou, le mec qui a voulu faire ça, c'était un projet complètement fou. Et il avait réalisé notamment, il avait réuni toute une équipe pour faire les décors, enfin une équipe technique, dont notamment, ça c'est tous des éléments, voilà, c'est pour apprendre des choses, Hans-Rudi Giger, qui est un artiste suisse complètement perché. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que toute cette équipe, le film n'a jamais pu être fait, parce que bah, forcément, les mecs, quand tu leur dis, je vais faire un film de 12 heures avec Salvatore Dali, qui était censé être le mec le mieux payé, oui, dis-moi. C'est pas ça qui fait le costume d'Alien ou un truc. Exactement, bah, en fait, c'est ça. L'histoire, est là, c'est que le film Dune n'a jamais pu être fait. Concrètement, à ce stade, il existe dans un bouquin de 3000 images qui a été dessiné à la base par. Ils ont fait en fait un storyboard complet, et il existe pour l'instant le film que sous ce format. Mais toute l'équipe technique, vu que le film n'a pas été fait, a été repris par Ridley Scott pour faire Alien. Dont notamment Hans-Rudi Giger qui a fait les designs de Alien. Il est juste venu chercher les trucs et puis la gueule que je vous prends. C'est un peu ça, c'est que vu que le film n'a pas été fait, après c'est des questions de réalisateur et tout, ça a été transféré. Donc ça c'est un film, honnêtement, le documentaire est très sympa parce que c'est un film qui n'a jamais été fait, mais on reste persuadé que le livre qui existe là maintenant, où il y a les 3000 photos du storyboard, a énormément influencé le cinéma d'après, parce que comme par hasard, quelques années après, en 1977, il y a un autre film de science-fiction dans l'espace qui est sorti, c'est Star Wars. Et si tu regardes le storyboard de Dune, il y a énormément de scènes de cadrage et tout qu'on reprit ce qui se trouve dans le book et tout. Donc voilà, il y a eu une grosse influence. Après, il y a eu une autre tentative, et ça le film a abouti, c'est David Lynch. Alors je sais pas si vous êtes un peu au courant de David Lynch, c'est aussi un réalisateur qui est énormément perché. Il a fait RRZ, ou alors Mulan Drive, qui sont des films, mais genre c'est perché, c'est vraiment perché. Tu vois un peu Midsommar? Je n'ai rien pas vu à des films chelous. Bah, tu peux regarder. c'est bizarre, c'est des films qui sont plus contemplatifs qu'autre chose et il faut être dans le truc, quoi. Alors voilà, David Lynch, c'est en 1984, il sort le premier film de Dune, où honnêtement le casting est quand même assez dingue parce qu'il y a genre Patrick Stewart, il y a plein de gens assez connus. Il faut savoir que le final cut de ce Dune a quand même été un peu volé par la production, donc c'est pas vraiment du David Lynch. Mais ça reste hyper chelou à regarder, honnêtement. Je le conseille parce qu'il y a plusieurs points. C'est déjà parce que c'est David Lynch. C'est la première adaptation visuelle de Dune. C'est une expérience très étrange. Et entre nous soit dit, les méchants ont la particularité d'être roux. Voilà. C'est un choix de David Lynch d'avoir fait les méchants roux. Donc tout ça pour vous dire que pour l'instant, on a un film qui s'est jamais fait, mais qui était promis à être un truc complètement what the fuck. Un film qui s'est fait, mais qui a jamais vraiment satisfait les fans, parce que c'était un peu du haché, et puis ça n'a jamais satisfait les fans.
Mais ça a été finalement annoncé que Denis Villeneuve, donc qui a fait énormément de bons films, devait reprendre l'adaptation de Dune. Alors en tant que tel, ça peut être cool, ça peut être sympa. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, on sait à peu près l'équipe, le casting qui va y avoir. Alors pour vous dire, il y a Oscar Isaac. Donc Star Wars, c'est Poe Dameron, il joue dans Drive aussi. C'est Poe Dameron. C'est le rebelle. C'est celui qui a le rôle de Finn. Finn. Il y a Zendaya, qui est donc MJ dans les derniers Spider-Man, la métisse. Il y a Jason Momoa, Aquaman. Il y a Timothée Chalamet, qui joue le gamin dans Interstellar, c'est pas forcément le plus connu, mais que le fils. Là, il vient de faire deux films qui parlent vachement de lui, comment ça monte. Mais c'est pas forcément celui qui parle le plus. Il y a Dave Bautista. Oh, Jesus! Voilà, il y a Dave Bautista. Qui aura un mot comme dans James Bond. Non, techniquement, non. Il y a Stellan Skarsgård, tu sais, c'est toute la famille nordique où ils sont père, fils. Celui qui a fait X. Un des gamins, il a fait X. Voilà, un des frères a fait Hannibal. On parle de réalisateur, de ses acteurs. Le gars, c'est celui qui fait dans Pirates des Caraïbes et dans Thor. Ouais. Il fait dans les Avengers, le scientifique. Et le gars là, je crois que c'est pas ça qui fait Tarzan, je sais pas quoi là. Oui, c'est très possible qu'il fait l'un des derniers. Ils sont 15 et sur 15, ils sont 8 à faire du cinéma. Et je crois que celui qui est là, il est dans True Blood. Tu as vu True Blood? Pas du tout. La série? Oui, la série. Rien du tout? Oui. En tout cas, de l'adolescence? Pas du tout. Ah non, ouais. Le non, il a. C'était l'inverse c'est de Vampire Diaries. Ouais. C'est du cul et du sang. Ah ouais, je sais pas, c'était un truc de teenage. Non, c'était l'inverse de Vampire Diaries. Ok. Au-delà de ça, il y a encore Josh Brolin, qui est donc Thanos. Enfin, il a fait plein d'autres films, notamment Sicario aussi. Il y a Xavier Bardem, qu'on a vu dans No Country for Old Men. Je joue pas les deux ensemble. Pardon? C'est celui de Skyfall? Oui, c'est aussi méchant, c'est dans Skyfall. Josh Brolin et. Bardem, ils ont pas joué dans les deux dans The Country for Old Men. C'est Jerry, absolument. Donc autant dire qu'il y a un casting de fils de pute. La musique, ce sera. Non, c'est vrai. La musique, on dit pas. Incroyable, forcément. Le directeur cinématographie, c'est celui qui a fait Rogue One, qui je trouvais super beau. Il y aura une scène. Tu vois, t'arrives à voir la France. J'espère. Et il faut savoir qu'à ce stade, il y a strictement rien qui a fuité de la production. Il y a une image, mais qui dit rien. C'est honnêtement, c'est écrit dune sur des dunes, donc autant dire que ça ne dit pas grand chose. Et je dois avouer que je suis hype comme un bâtard sur ce film, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Déjà, au niveau de l'histoire, à peu près ce que j'essaie de raconter, il y a beaucoup de background au niveau de la réalisation de ce film. Et tous les éléments sont réunis pour que ce soit en fait quelque chose. Tous les éléments, oui, qui va. C'est sort quand? Techniquement, c'est censé novembre, octobre 2020. C'est cette année? Ouais. Là, techniquement, ils sont en post-production. Le tournage a été fait. Ils vont le faire en un film? Non, il sera en deux films. En deux films, parce que 12 heures, déjà 12 heures. Ah non, mais le film, c'est la base, c'est le mec. Voilà. Ça dure genre 2 heures. 2 heures et quelques, 2 heures et demie. Il va devoir réduire 12 heures de film en deux films. Ouais, mais il a pas repris le projet de Jodorowsky. Il fait son propre film. Il part sur les 12 heures de film, il part son livre. Ouais, lui, voilà, il fait l'adaptation du livre et tout. Mais le livre, il sera quand même scindé en deux, donc je pense qu'il y aura deux films. T'as pas peur d'être déçu? Si. Bien sûr, mais ça c'est. Ah, enfin, tu viens de mettre un peu de cul. Non, mais non. Parce que je sais qu'elle est très vite hype et que Thomas est très vite déçu. Mais je dois dire que. Juste. Demain, Game of Thrones. Fuck Game of Thrones. Star Wars. Fuck Star Wars aussi. Et fuck Suicide Squad aussi. Et fuck Disney en passant aussi. Voilà. Et Rocher Sport. Non, jamais discuté. Mais je dois dire que j'ai confiance en ce réalisateur, que c'est quand même un mec qui s'applique énormément, qui comprend en général le matériel de base sur lequel il travaille. Et je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Donc, je vais juste partager mon hype autour de ce film parce que je trouve que c'est très sympa. Voilà. Non, en effet, ouais, je connaissais pas du tout par contre ni le livre ni. Je conseille le livre, je conseille tout. Maintenant, ma question c'est est-ce qu'il y aura du sable? Oui, n'en déplaise à Anakin Skywalker. C'est juste parce que. I don't like sun. C'est clair. Voilà. C'était pas. Merci, je connaissais pas. Si jamais j'ai encore une chronique sur ma tome. Non, mais très bien, parce que. J'ai beaucoup aimé le moment où tu expliques le déroulement de la création des films qui ne sont pas faits. Et du film. Non, mais c'était bien expliqué. C'est vrai qu'au début, j'ai eu de la peine parce que je ne pouvais pas du tout où tu voulais en venir. Donc, Alex, ça prêchait quand même. Mais après, c'était bien venu à part ça. J'ai l'impression qu'on en parlera dans un podcast 9 ou 10 quand ce sera sur un film. Pour les gentils, on en parlera forcément. Mais déçu, c'est possible. Je reste parce que c'est un gros morceau. Donc, tu dis, tu ne pourras jamais être vraiment satisfait. Mais. Vous avez des films, on va avoir des films que vous êtes hypés cette année. Le prochain Nolan. Aussi, Tenet. Vous savez que, rien à voir, j'ai vu aucun film de Tarantino.
Zéro. Bah, unpopular opinion. On n'a pas vu la pub pour la pub de Pulp Fiction. J'ai vu. J'ai un retard cinématographique que j'espère retrouver avec l'un d'entre vous cet été, si vous partez pour vacances. Je mets des classiques. Hein. Moi je travaille. Pulp Fiction, ma bouche d'inquiète, je suis sûr. Les Pulp Fiction, j'avais vu. L'autre, sixième élément, la cinquième élément. Kill Bill. Cinquième élément. Kill Bill, j'ai vu que des extraits. J'ai jamais vu Kill Bill en entier. J'ai vu zéro. Bah, par volonté. Tu as un devoir, Killer. De citoyen. Avant le 1er juin, tu fais une liste de tous les films que tu aimerais voir. Ah ouais, t'as le temps là, t'as 3 mois pour le faire. Ce que tu peux faire, c'est que tu regardes les listes des genre 100 meilleurs films et tout. Ouais. Puis tu regardes à partir de là. Et t'en mets un par jour. Ça y est, en plus, posters à gratter. Ouais, des films à voir. Bah, moi le truc de compos, c'est vide. Parce... Dans les classiques. Moi, j'ai une période où je me les suis fait beaucoup. Donc, Moi, j'ai de la peine à regarder les films en noir et blanc. En soi, des jeux de base. Non, moi, j'aime bien. Les séries, j'ai un problème. Les séries, il n'y a aucun souci. Enfin, je me suis mis tort, j'ai arrêté, c'est chier déjà. C'est pas le meilleur film non plus. Ouais, ouais. J'ai arrêté, les films tout seul, j'ai trop d'argent. Tu parles de ça, mais maintenant, mes séries, je sais pas si ça fait la même chose, il y en a très peu que je regarde à fond, dans le sens télé, je regarde. Ouais. J'ai toujours le téléphone, puis je fais les deux, je regarde. Ah, c'est rare que je... C'est vrai qu'au cinéma, je préfère, parce que t'es vraiment dans le film, même s'il y a chier. Moi, si je fais un truc en tant qu'une série, c'est une série que j'aime bien regarder en fond, genre Brooklyn Nine-Nine. C'est une série que j'aime bien regarder en fond, parce qu'il n'y a pas besoin de se concentrer de fou. Ouais. Non, ça va. Genre, là je me refais Friends, là je regarde en fond un peu, parce que j'ai jamais regardé. Mais moi ça me dérange pas, tu vois. Ah, Brooklyn Nine-Nine, non, c'était à fond dedans. Mais merci Thomas en tout cas. Et on va très vite enchaîner pour les divers et pour la fin de l'émission, parce qu'on est déjà à 1h35 d'émission. Ah, c'est pas mal. Et on va finir évidemment par un sujet, finir sur une bonne note, mais. On va parler évidemment de ce qui se passe actuellement. Le sujet préféré de Thomas. Non mais Thomas, honnêtement, c'est vrai que de base, on en parlait il y a 2-3 semaines, j'avais dit qu'on n'en parlait pas du Covid-19 parce que tout le monde en parle et tout. Mais entre-temps, la situation a empiré chez nous. Ah oui, clairement. Parce que nous, on habite en Suisse. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'on a chacun un métier pour lequel le virus atteint différemment. C'est vrai. Oui. Moi, on ne m'atteint pas du tout en fait. Bah, c'est ça, c'est ce que j'ai. Vous n'avez pas les rayons qui sont vidés? Non. Moi j'ai aucun. On les a remplis, il n'y a aucun rayon qui est vide. Hein. Même pas les pâtes? Même pas les pâtes. Je vais aller chez toi. Moi les pâtes, on les a reçues il y a 2 jours, c'est blindé. Hein. Il n'y a pas eu d'afflux et tout. Du coup, pour mettre en contexte, la Suisse a récemment mis en place. C'est quoi ces niveaux ou c'est phase 3, je sais plus. 3. En gros, comme l'Italie, je crois que la France. 3. À peu près en même temps que la France, les écoles sont fermées. Aujourd'hui même. Oui, mais la France, c'était il y a 2 jours, hein, les écoles fermées. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, mais je veux dire, c'est l'Italie, c'était bien un moment, mais. On est en plein dedans. On est en plein dedans, et du coup, ils ont décidé, évidemment, à l'heure où vous dites ça, on est le 14 mars. Je pense que quand vous allez écouter ça, peut-être ça va empirer, peut-être pas, je sais pas. Et du coup, ils ont décidé de. Il y aura du coup les écoles et les crèches fermées de base. Alors, je suis même étonné que vous soyez encore ouvert d'ailleurs, parce que base, c'est crèche et école de base. Mm-hmm. Tout ce qui est obligatoire. Et du coup, pas droit à un rassemblement de plus de 100 personnes. Tous les lieux publics, restaurants. Et évidemment, les boîtes, on m'a dit que les boîtes, ça pouvait être donc pas 50 personnes, mais personne va aller quoi. Non, tout est fermé, tous les lieux publics sont fermés. Les boîtes de nuit, les restaurants, il y a la restriction. Les restaurants ont la restriction qu'ils peuvent être ouverts, mais ils n'ont pas pu être plus de 50, employés et compris. Ouais. C'est-à-dire que si vous êtes 10, cuisinier, serveur, vous êtes 10, tu peux avoir que 40 personnes. Et boîte de nuit, pareil. Boîte de nuit, pareil. Vente, je crois. Il y a des réserves comme ça. Cool. Là, pendant, mais, pendant oui, le. Je suis allé à côté et c'était déjà. Tu vois, un truc tout con, on va avoir des anniversaires qui vont arriver. Ça va être compliqué d'aller au restaurant. Ouais. Donc, nous, on est déjà 11. Les mariages aussi, moi j'ai. Les mariages, pour ça, toi, ça va. Bah non, c'est pas compliqué. Si t'arrives à réserver et puis ils savent que t'es 11 à venir, ils vont prendre moins d'autres clients après. Ouais, ça va être compliqué. Je sais pas comment ils vont gérer. On sera servi plus vite à la brasserie. Ouais, c'est ça. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que là, moi j'ai reçu des messages pendant. C'est que, par exemple, au McDo, ils sont en train de compter les gens. Ah, vous êtes 50, non, ciao, tu rentres pas. C'est clair, on en est là. On est obligé. C'est vrai qu'on arrive à un point. Alors, très honnêtement, continue à dire, les gens sont teubés. Les gens ils sont paniqués de fou. Et si hier, dès qu'il y a eu l'annonce, comme quoi les écoles et les crèches fermaient, tout le monde s'est rué à la Migros, à la COP, au supermarché Leclerc, on se bat les couilles. Mais non, mais c'est drôle, c'est genre 2 rayons qui sont vides. Hein. Et c'est chaque fois, c'est pâtes, riz et farine et le PQ.
Il y a une grosse façon de PQ là, hein. Tout le monde achète du PQ en masse. Dernière, hier, je suis passé, c'était trop bon, il n'y a plus rien. Et je trouve ça que c'est débile, les gens sont paniqués de fou, alors que ça reste, malgré tout, qu'une grippe, même si c'est une grippe plus forte, on va pas se mentir, ça reste une grippe. Moi je me dis, le jour où il y a la peste, avec l'Europe, c'est fini, hein. C'est irradié. Hein. Parce que les gens sont pas prêts. Ouais, mais je crois que les gens, ils sont à un stade où ils s'en fichent, ils savent même plus que c'est la grippe. Enfin, pour eux, ils ont même plus en tête grippe. Pour eux, c'est juste une maladie, et pour eux, c'est juste. Comme tu dis, ils vont savoir que d'autres gens vont aller acheter, donc ils stressent aussi et ils vont acheter pour eux. Je suis d'accord que c'est surréaliste qu'on parle avec Thomas dans la voiture, c'est surréaliste de se dire qu'on est arrivé à un tel point où on n'a jamais vécu ça de notre âge, genre même pas nos parents, parce qu'à une fois il y a eu Tchernobyl. Ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu une crise comme ça. Il n'y a pas eu une crise comme ça, tu vois, même Tchernobyl, alors que franchement il y avait moyen de s'inquiéter. Parce que Tchernobyl, le voyage, le nuage, il n'est pas passé en Suisse. Ouais, voilà. Il a suivi la frontière, il a fait oh, je voilà. Pas trop chaud. Mais il n'y a pas eu de cas extrêmes, tu vois, comme ça, tu vois. Non. Alors que là, bah, l'Amérique a fermé entièrement les frontières avec l'Europe, sauf l'Angleterre, je sais pas pourquoi. Parce qu'ils ont un Brexit. Parce qu'ils parlent la même langue. Peut-être que le virus, il se dit, tu vois. C'est vrai, hein, l'Angleterre. Oui, ils peuvent, l'Angleterre, ils peuvent. Ouais, c'est... Je sais pas pourquoi. Mais du coup, ils en sont arrivés, les gens sont paniqués de fou. Après, à côté, maintenant, les écoles sont fermées, mais en Suisse, il n'y a actuellement aucun dispositif pour faire des trucs en ligne. Pour l'instant, il n'y a rien qui est encore mis en place. Bah, après, quand on est en primaire à 7-8 ans, ça va être compliqué. Mais après, je pense que si, c'est tout ça, il devrait avoir. Mais à part ça, moi, j'ai une amie qui est prof et ils vont aussi être ouverts en service minimum. Oui, oui, bah, moi j'ai parlé aussi bah, avec. C'est 10 par classe, je crois. Ouais. Si tu peux pas, on va filtrer. On va filtrer parce que de toute façon, ça va être tellement restreint. Les gens, après, ce qui est con, c'est qu'ils disent vous pouvez pas aller à l'école, par contre, vous avez pas le droit d'être avec les grands-parents, tu vois. Parce que les enfants, ils sont porteurs sains, la plupart, ils sont porteurs sains. Et les grands-parents, ils sont porteurs morts. Hein. Sont porteurs, oui, c'est pour ça que. C'est pour ça que pour nous les jeunes, on s'en bat un peu les couilles, oui. Ça ne nous affecte pas, donc on peut être au contact, on s'en fout. Mais... Sauf si t'as maladie déjà. Voilà, si t'as une grosse maladie, mais après tu peux le transmettre à l'école. Les personnes qui paniquent, ce sont les personnes actives, les personnes qui n'ont aucun. Ils ont rien à craindre. Ils vont paniquer parce qu'ils risquent rien. Alors oui, c'est ceux qui sont asthmatiques, qui eux, ils craignent un peu maintenant, parce que c'est le premier truc que ça se passe, c'est avec les poumons. Les vieux, et ceux qui ont une santé faible, tu vois. Ce genre de chimio, tout ça, tu vois, évidemment que ce genre de chimio, mec, tu n'as pas d'or, quoi, sans c'est la mort. On arrive à un tel point de. Entre, c'est vrai que. Putain, j'ai fait deux fois en même temps, excusez-moi. On arrive à un tel truc de panique que les chiens, ils sont flippés, il n'y a plus personne dehors. C'est drôle, hein. Moi, c'est bizarre. Déjà, je suis passé à Balexar ce matin, pour un samedi matin, je trouvais qu'il n'y avait pas de monde. Mercredi, là, on est chez le Pacha Campos, on était avec Sarah. Mais quoi, il n'y a personne, il y avait des actions sur la viande, comme j'avais vu ça, quoi. Ouais. 40%, 50% sur la viande, tellement il n'y a personne qui allait, quoi. Et dès qu'ils ont dit, école fermée, crèche fermée, il y a tout le monde qui allait acheter en masse et tout, pour rien, quoi. Ouais, moi, ce que je trouve marrant, c'est que alors, les mesures en tant que telles, alors je sais pas si elles sont nécessaires, utiles ou comme ça, mais en fait, c'est une panique qui s'auto-alimente. Parce que les gens paniquent, il y a des mesures qui sont prises. Les gens vont encore plus paniquer à cause des mesures parce qu'ils vont se dire ah ouais, s'il y a des mesures, c'est que c'est vraiment grave, donc ils vont encore plus paniquer. Et en fait, ça, c'est, voilà, c'est une gestion auto-alimentée. Et c'est drôle, mais je sais pas à quel point. Ouais, on est encore à un stade de prévention et les gens sont trop dans la panique, ils sont à un stade avancé. Mais alors que je viens d'apprendre qu'ils ont décidé de déployer l'armée. D'ailleurs, Alex, toi, tu vas déployer. Ils sont. Alors, parenthèse, oui, effectivement, j'ai fait l'armée dans la partie médecine. Et donc, le bataillon qui a été appelé, c'est le 5. Moi, je suis bataillon 1 et 2. Donc, ça fait 5, 4, 3, 2. Donc, quand ça arrivera à 3, je devrais préparer mes affaires. Quoi. Et tu peux être déporté n'importe où en Suisse. Et je peux être partout en Suisse, ouais. Et t'auras pas le choix. T'es, et c'est, je suis obligé d'y aller. Ouais. Ouais, je sais partir, t'auras pas le choix. Quoi. Bah, Narek, lui, m'a dit hier qu'il est déployé au truc de l'Amérique. Attends, c'est quoi? L'ambassade américaine. À Berne. L'Amérique. Je sais pas s'il est à Berne. Mais là, il y a le truc à Genève aussi. Là, Ouais, mais ça, c'est le consulat. Ça, c'est l'ONU. Non, il y a le truc américain. Enfin, lui aussi, d'ailleurs, hein, les Nations Unies, tout ça. Tout mais tu vois, voilà. Tu vas pas signer en télétravail, toi? Peut-être, on sait pas encore. Voilà, justement, on a un point où tu peux faire du télétravail, t'en fais. Je t'avoue que je suis épicier, donc télétravail. Ouais, il y a la mission des États-Unis à Genève. Mais toi, tu vas Thomas à faire tes travail. Ah, on peut si ça va pas tarder. Je pense que Romain, tu vas arrêter à part ça. Parce que... Mais moi, c'est ça qui est plus drôle, c'est qu'on attend tous les jours. Il faut savoir, c'est, apparemment, je suis animateur en crèche. Et je bosse pour une grande firme qui est GTI, Japan Tobacco. Et eux ont fermé mercredi dernier parce qu'ils avaient un cas. C'est-à-dire que tous les employés de GTI, qui sont plus de 800, ils ont été renvoyés pour faire du travail à la maison. Moi je suis une crèche qui est semi-privée, c'est-à-dire qu'on est 80% pour les employés de GTI et on a 20% ville de Genève. Donc on a des parents qui bossent ailleurs, ils peuvent bosser à l'OMS, n'importe où. Et du coup, nous, ils n'arrêtent pas de regarder avec les médecins
Et le service de médecin a dit vous pouvez être ouvert un service minimum. Normalement, on aurait dû fermer, parce que c'était marqué, toutes les crèches et tout vont fermer, mais on est obligé de prodiguer un service minimum. C'est-à-dire qu'on va être ouvert, on ne sait pas combien on aura d'enfants, on peut en avoir un, on peut en avoir deux, on peut en avoir 15, on peut en avoir plus, parce qu'après, il y a aussi ce cas que les parents, en plus de la maladie, c'est assez drôle, mais passer 2 semaines avec leur gosse, ils ont envie de se tirer les balles. Alors, à part ça, j'ai eu le problème, on parle de TH1, j'ai plein de gens qui ont des enfants et qui ont devoir garder leurs enfants un peu faire du TH1. C'est humainement pas forcément possible, tu vois. Non, on est d'accord. Travailler avec ton gosse à la maison, c'est compliqué. Moi, j'ai vu une gosse ce matin. La meuf, elle faisait des doigts et elle disait oh, ta gueule! Et tout, mec, le père qui est banquier, mec, il va s'amuser. Hein. Téléachat. Oui. Le téléachat. Le téléachat, une petite table. Avec le martifouette. C'est clair. Ça marche vraiment! Non, mais après, c'est ça. C'est le télétravail. Toutes ces personnes qui sont après censées faire du télétravail. Oh, je suis fatigué d'ailleurs. Alors, on peut avoir de la peine à, déjà, de base, s'occuper de leur enfant. Peut-être. Mais c'est peut-être pas les personnes les plus à même de gérer un enfant pendant 2 semaines, parce qu'ils sont pas assez habitués, parce que justement, ils sont souvent dans leur travail, ils les voient peut-être moins. C'est triste d'en arriver là, quand même. Ils savent pas forcément comment faire. Mais c'est une pression des parents, c'est de se dire, je fais comment 2 semaines avec mes enfants. Oh, putain, mais c'est triste d'en arriver là. Mais on en est à ce stade. Hein. Ouais. Sachant que... Heureusement qu'il y a des animateurs pour enfants. Du coup, ça va être bloqué jusqu'au 8 avril, mais pour derrière, il y a les vacances de Pâques, en fait. Oui. Et du coup, ça va être... C'est quand même 5 semaines... Moi, j'avais posé mes vacances à Pâques, en plus. Et oui, du coup, les HUG, c'est jusqu'au 19 avril. Moi, j'ai juste marqué jusqu'au 19 avril, donc ça inclut les vacances de Pâques. Non, mais c'est parce qu'ils ont continué. Ce qui veut dire, c'est qu'on a des amis qui bossent dans les HUG et qui auraient des vacances, et c'est mort, en fait. Tu peux pas, tu es obligé de les... Mais là, c'est ce que nous disait Eduardo, ils ont rappelé tout le monde. Mais ils sont obligés. Et tous ceux qui bossent à 50%, ils bossent à 100%, ils n'ont pas le choix, en fait. Et il y a la deuxième peur, c'est de fermer les frontières, c'est tous les frontaliers qui bossent. Alors moi, je suis dans le cas où, maintenant qu'ils habitent en France, voilà. C'est le mec pas fier, tu sais. Mais alors moi, j'ai pas forcément peur tant qu'ils avertissent, tu vois. Pas que je m'arrive un matin et boum, c'est fermé, tu vois. Tu vois, moi, j'espère que moi, qu'il y ait un ou deux jours de battement, tu vois, pour savoir, tu vois. Parce que moi, j'ai le cas où normalement, on m'a dit qu'ils fermaient les frontières, mais qu'ils filtraient parce qu'ils seront obligés d'essayer. Je sais pas si t'as vu ça. Ah, vieux frontalier, attendez. Ouais, tu vois, vous êtes venus d'avoir sur vous les papiers officiels, tu vois. Mais toi, t'es quoi? T'es permissif? Non, moi, je suis suisse. Bah, j'ai pas de soucis, tu vois. C'est bon, ouais. Mais ils vont filtrer, mais ils sont obligés, ils ont raison. Ils vont filtrer. Enfin, en gros, c'est un message qui met les frontaliers, il faut avoir pour passer la frontière le permis frontalier, oui, la carte d'identité, une copie ou le contrat de travail. Oui, bah, mais je trouve ça normal, ils sont obligés de filtrer et faire comment ils font en Italie, tu vois. Mais il y aura l'autre côté où les Suisses pourront pas aller faire les courses en France, tu vois. Non. Ah bah, non, tu pourras pas. Là, la France, ils vont aussi perdre la thune dans le sens inverse. Tout le monde va perdre la thune, c'est clair et net. Hein. Je veux dire, moi, je vois bien tous les employeurs qui viennent poser des questions en disant comment ça se passe et tout. C'est... voilà. Mais autant que tu travailles pour l'État, tu te dis, tu peux être payé, enfin, tu peux avoir un safe, tu peux être un peu safe, mais genre killer qui a son compte. Ouais, c'est encore autre chose. Moi, si tu travailles pas, t'as pas de thune. Je gagne pas et je gagne zéro thune, tu vois. Ouais, moi j'ai ton père, je m'attrape les couilles. Au pire, du chômage technique, tu vois, t'es quand même payé 80% par la perte de gains qui va sûrement bien monter quand on sera fini. En même temps, toi qui bosses dans le délire, la perte de gains elle va monter de folie à la rentrée. Je vais faire que ça de la journée. Tu vas faire que ça, hein. Ouais, c'est ouf. Mais. Tu pourras plus jouer à Call of. Si, si. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est l'après. Parce que l'après, mec, avec tout ce qu'on a perdu, ça va douiller au niveau des impôts, des assurances et tout. On va forcément douiller à part ça. Je sais pas, parce qu'ils peuvent aussi se dire, c'est un cas général, ils vont réduire, tu vois. C'est drôle, toi. T'es mignon, toi. Mais tu sais jamais. En tout cas, la perte de gains va monter, parce que la perte de gains, il n'y a que les entreprises qui la payent, tu vois. Mais celle-là va sûrement augmenter, parce qu'il y a tellement de gens qui vont pomper dessus. Après, il y a l'inverse. Tu peux être sûr que si on se fait douiller, ils vont avoir tout le monde dans la rue pour. Ouais, mec, on n'est pas en France ici, mec. Je parle de France. Oui, en France, je parle de la Suisse, il n'y a pas de. Tout ça à bout. Tu vois, il n'y a pas de gilet jaune. Non, la Suisse, ils vont faire un référendum et puis. Ça va pas de cette façon, quoi. C'est non, mais voilà, mais c'est comme tous les championnats qui sont suspendus. Ils sont pas annulés, ils sont suspendus en ce moment. Ça dépend. Ça, j'ai trouvé drôle. Ok, par exemple, c'est annulé. Ils ont dit. Sur le Canada. Quoi? Qu'ils ont appris qu'ils devaient annuler le hockey et direct, ils se sont mis au travail pour trouver un vaccin. Ouais. Ils perdent leur sport national, ça arrive plus. C'est ça que nous on arrivait. En Suisse, c'est fini ou c'est suspendu aussi? Non, c'est suspendu, ok, c'est fini. C'est fini, ouais, il n'y a pas de play-off, voilà. Il n'y a pas de champion d'ailleurs. C'est tellement horrible parce que le Servette était bien classé. Ouais, mais il était bien classé, il n'y a pas de play-off, pas de champion, rien. Ouais. Ouais, mais tu peux suspendre et finir en l'été. Ah, c'est compliqué, hein. Après. Bah, il y a rien de compliqué. Là, dans les événements un peu menacés, JO et l'Euro. Ouais, JO, la Champions aussi, la Champions League.
Oui, le Champions League, mais c'est pas approuvé. C'est-à-dire que ça va potentiellement être annulé comme l'Euro. L'Euro 100% avec l'Italie, mec, jamais ça va passer. Bah, hein. C'est comme là, j'ai lu comme quoi la Champions, ils allaient donc finir le tour. Non, même pas, ils sont pour l'instant, ils sont repoussés les autres. Oui, mais dans le sens, ils vont finir le tour et après, ils vont faire un match, d'après ce que j'ai compris. Hein. Ils vont faire juste un match. Ouais. Élimination directe, hein, genre, il n'y a pas de but à l'extérieur, etc. Ouais. C'est vraiment un match tout court. Et après, à la fin, les quatre derniers, ils font une sorte de mini championnat où ils jouent l'un contre l'autre et c'est au point. C'est ce que j'ai vu. Hein. Ouais. Tu vois, ça fout un tel bordel et rien pour ça, l'Euro, il va être spray parce que. Imagine non, ça... 2021. Ils vont juste repousser d'une année. Ouais. Ce serait tellement stylé. Ouais, c'est pareil, les JO, ils peuvent les repousser au final. Oui, ils pourraient faire ça, parce qu'au final, on fait pas en 2020, on fait en 2021. Ah oui. On est gagnant en 2022, Coupe du Monde. Ah ouais, c'est clair. Vous avez suite, c'est bien, non, c'est non, cool, ouais, c'est cool, c'est cool. Hormis le fait que ça va être au Qatar et que du coup, c'est en décembre, mais c'est affiché, mais... Non, mais voilà, après, c'est comme plein de trucs. Là, il y a la chaleur, elle va monter. On va passer peut-être de 8 degrés à 15-16 degrés. Voilà, techniquement, ça va aller mieux. Voilà, et donc, du coup, ça va être. Il faut vraiment que ça reste parce qu'il y a même des coins de l'Afrique, parce qu'on va en Afrique du Nord. Hein. Oui, mais tu as des pays comme Real d'Italie, et typiquement, c'est l'Italie du Nord, là où il fait plus froid, parce qu'on a une chier de cas. Oui, quand tu regardes au sud, il y en a peut-être quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en effet. C'est la chute. Bah oui. Là, c'est le message que je voyais sur WhatsApp qu'il a envoyé Greenland. En gros, il disait que le virus ne supporte pas les températures élevées. C'est 28 degrés, ouais. Je vais profiter de ce moment pour juste passer un message. Arrêtez avec ce genre de truc à la con là, ces messages qui tournent dans ces circonstances où chacun y voit sa petite, il va de sa petite vidéo. Oui, mais non, si tu n'envoies pas à 10 personnes, tu chopes le coronavirus. Attends. Non, en gros, là, il dit, bah, j'ai pas 10 amis. Je sais pas si c'est vrai ou pas. On va pas regarder. Non, je te propose. Non, mais en gros, il disait, s'il explose, on va le faire quand même. À des températures de 26 à 27 degrés. Le mec lui dit, oui, mais en Suisse, 26-27 degrés, c'est au mois d'août. Ouais, c'est ça. Et j'ai pété mon truc, je crois. Oh non! Oh non, par le virus! Il y a des tombes! Bah, il doit y avoir moyen de le resserrer. Il faut meubler! Tiens, non, alors, trois meubles en A! Non, mais il parle de la bite de Thomas! La taille du virus est assez grande, diamètre non, environ 400-500 nanomètres. On va finir la sujet au corona, c'est vrai qu'il faut arrêter de paniquer. Je suis chier quand même, ça marche pas ce truc! Je vais te dire comme ça, c'est long! J'ai l'air trop con comme ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais du coup, voilà, il faut arrêter de paniquer et il faut voir comment ça se passe, mais il faut arrêter. Il faut être prudent, mais pas stressé. Voilà, sans seulement à rien, de toute façon, vous allez l'avoir. Voilà, mais c'est con, tout ce qu'on montre, mec, ça fait moi. Il faut juste avoir une hygiène de base. Voilà. Ah merde. mais moi, je propose quand même, pour clôturer quand même ce débat, qu'on se dise quand même des maladies qui sont plus graves que le Covid-19. Bon, il a plein, hein. Voilà, justement, c'est un petit tour de table. Et tout ça qu'il n'en a plus, bah, il l'a perdu. Voilà. Moi, je vais vite perdre. Hein, être roux. Quoi? Être roux. C'est vrai que ça fait plusieurs morts par année. Voilà. Bah, la peste. Le choléra. Bah, je sais pas si ça fait pareil, le sida, mais. Bah oui. Le cancer. Ebola. La malaria. Un refroidissement. Quoi? Non, apparemment la diarrhée fait beaucoup de monde de mort. C'est pas une maladie. Pas une maladie, c'est un symptôme. Chiasse. Non, c'est un symptôme. Ça. C'est la gastroentérite. Bon, c'est pas plus grave qu'un. Ouais, c'est plus grave. Bon, c'est la pneumonie, tiens, voilà. Typhus. Ah, pas mal le typhus. La grippe espagnole. Je l'avais, celui-là. La grippe espagnole. C'est très glauque comme jeu. Ouais, j'avoue. C'est assez bizarre. L'amour. Bon, d'accord. Est-ce que tu peux tuer pour l'amour? Éliminer. Non, c'est la maladie d'amour. Ça dégage. J'avoue. Ça dégage. Non, pas ça. Alors, parce que j'ai eu cette année, fuck la conjonctivite. Ça tue pas plus. Ça pas plus grave. Ouais. C'était juste une parenthèse. Qui fait beaucoup de. Non, par ça, moi je suis pas un monstre calé sur les maladies qui font trop de. Je sais toujours pas comment on en est arrivé à faire un jeu. Alex, ça. C'est super glauque. C'était ma chronique. Maintenant, nous allons faire le tour des positions sexuelles. Non, ta gueule, non. Non, c'est bon. Le levrette. Non, c'est bon, on va essayer de se mettre à deux. Le missionnaire. Le papillon inversé. Thomas et Coppel font l'amour. Thomas et Coppel. Il y avait un autre d'hiver ou. Non, c'est pas. Genre les Jeux Olympiques d'hiver. D'accord, c'est quand le printemps? C'est le 21 mars. Merci. Allez, on va finir là tout de suite. La météo. Voilà. Non, mais en gros, voilà, restez safe. Protégez-vous. Non, mais en gros, voilà, arrêtez de paniquer, ça sert absolument rien. On fera un point. Contrairement à ce qui est dit, l'alcool ne tue pas le virus. Hein.
Il y a des gens qui ont dit ça ? Ouais. Et moi, les infectants, ça annonce. En passant. Le suicide, une vie grosse. C'est le virus. Cette blague était sponsorisée par Red Shadow Legend. Excusez-moi. Et nous allons clôturer ce podcast sur cette blague de très mauvais goût. Ce ne sera que la deuxième fois que Killer de mauvais goût durant ce podcast. Allez, Jean-Michel, je suis levé depuis trop longtemps. C'est... Il est à un ratio de 1 heure, un truc de mauvais goût. C'est pas trop mal. Il a fait moins son aujourd'hui, c'est bien. Ah oh, putain. Ouais. Là, lui, j'ai fait un progrès. Il a fait des progrès. J'espère que le son était de qualité. Ouais, je verrai ça dans 5 minutes à peu près. J'espère surtout qu'il a enregistré. Ouais. J'ai oublié de ce mec. Et des bisous à tous. Non, bah non. Ouais. Souscrivez à un abonnement. Ah merde, c'est pas la bonne chaise. Si jamais j'ai pas vraiment été testé positif au SIDA. Non mais voilà, merci. Merci. Bah de rien, vous avoir accueilli chez moi, j'en sais rien. Merci Thomas pour sa chronique. Je suis fatigué. Oui, merci Thomas pour ta chronique. Merci Alexandre. Coup, Ah, attendez, avant pour partir moins bête ce soir, par rapport à ce qu'a répondu Romain, je crois, ou toi, par rapport à la grippe espagnole ou le... fièvre espagnole, non. Grippe espagnole. La grippe espagnole. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça la grippe espagnole ? Tu as 5 minutes, tu as 2 minutes. Parce qu'elle a commencé en Espagne ? Non. Parce que ça a été apporté par Columbus. Non. Parce que le rat parlait espagnol. J'ai su un temps, mais je sais plus pourquoi non. Je sais plus. En fait, la grippe espagnole a été appelée la grippe espagnole parce que ça a été le premier peuple à en parler dans les journaux. Donc du coup, comme ça a été une grippe normale. Ah oui, donc c'est. Et donc ça a été eux qui ont lancé grippe espagnole dans tel et tel pays, enfin grippe dans tel et tel pays, et puis du coup le monde a dit ah ok bon bah alors on va l'appeler la grippe espagnole. Donc là c'est la grippe chinoise. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Grosso modo, encore. C'est comme ça. L'histoire, j'ai très très vite raconté, mais c'est globalement comme ça qu'elle s'est. Moi j'ai une autre petite anecdote comme ça intellectuelle pour aller se coucher moins bête. Moi je m'en fous qu'il en. Vas-y, dépêche-toi avec. Est-ce que vous savez pourquoi Paris est à l'heure de Berlin et pas de Londres, alors que concrètement, si tu regardes, Londres est juste au-dessus, enfin, ouais, au-dessus de Paris. Non. Parce que en fait, quand Berlin a envahi Paris, ils ont mis Paris à l'heure de Berlin, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et une fois que les Allemands ont perdu la guerre et que les Français ont récupéré leur indépendance, bah, en fait, ils ont eu la flemme de revenir à l'heure de Londres. Et donc, ils sont encore à l'heure de Berlin. Ok. C'est une très belle anecdote. Oui, vraiment. C'est bon, t'as fini ? Est-ce que tu as une anecdote, Romain ? Non. Non, c'est bon, j'ai tout fait. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés si vous êtes arrivés jusqu'au bout. J'espère que le son a été plus agréable. J'ai fait moins de son. C'est vrai. Le mois prochain, on sera en avril. Mois d'avril. On découvre pas la fille. On va sûrement faire des blagues. Ah oui. On va sûrement appeler des gens, faire des blagues qu'on a fait sur les 3 ans. Ah oui. Appeler des gens. Et ne vous découvrez pas d'un fil. Voilà. Parce qu'on met, fais ce qu'il te plaît. Campos aura sa chronique. Ouais. Tu peux faire un jeu en son bas les couilles, j'ai pas précisé, mais ça peut être un jeu ou autre chose. Hein. Oui, bien sûr. Fais ton jeu si tu veux. Activité, et du coup, bah, évidemment, ça sortira le 25 avril. Bah écoutez. Tu ris, tu pompes. Un truc plus radiophonique, tu vois. Tu pompes. Et je tiens à féliciter mes chats qui ne sont pas venus du tout. Eh, c'est vrai, bravo les chats de Romain, ils n'ont pas fait chier. Là, ils se chauffent là. Ils se chauffent là. Ah oui. Merci à tous en tout cas. Hein. Merci à vous et puis abonnez-vous à la chaîne des Killer Gaming. Et on passe la chaîne des 30 vues s'il vous plaît. Non mais ça on l'a eu, pas mal de vues. Est-ce que cette vidéo aura plus de vues, vous pensez ? Moi oui. D'ailleurs, petit jeu pour la prochaine fois. Combien de vues aura cette vidéo ? Vas-y. Vas-y. Le plus proche gagne. 34. 31. 28. 40. Voilà, et on vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Au revoir. À bisous. Au revoir. Au revoir.